Bonsoir à tous et bienvenue dans la Libre Antenne sur Europe 1. Nous allons passer deux heures ensemble en direct. Et vous le savez, cette Libre Antenne que vous pouvez joindre au 3921 est dédiée à vos confidences, vos émois, vos craintes, vos questionnements, quels qu'ils soient. Quentin et Sonia, sensibles et perspicaces, attendent vos appels, le standard au 3921. Et c'est Philippe Chartier qui réalise ce soir cette émission. Soyez donc pleinement en confiance en nous appelant au 3921. Et si vous avez envie de réagir ou d'apporter votre contribution aux confidences des auditeurs, vous pouvez le faire en envoyant vos SMS au 739-21 en faisant précéder votre message du mot nuit. Vous pouvez également réagir via Europe 1. J'attends europe1.fr bien sûr. J'attends vos appels au 3921. Europe 1, Roland Pérez. Alors avant de prendre Gigi qui nous a joint en 3921, j'ai reçu un SMS qui nous dit est-ce que Roland pourrait donner sa définition de l'amitié? Alors il semblerait qu'on voudrait parler d'amitié ce soir. Ma définition de l'amitié, je crois que c'est une indéfectible fidélité, une indéfectible écoute, bienveillance. Voilà ce que je pense être l'amitié. Voilà pour répondre à ce SMS. Et j'accueille Gigi au 3921. Bonsoir Gigi. Bonsoir à toute l'équipe. J'écoute votre émission depuis très longtemps. Je tiens d'ailleurs à féliciter toute votre équipe pour, je dirais, son écoute, ses conseils constructifs et tout ce qui s'y rattache. Mmh. Mon appel, je vous remercie d'ailleurs de le passer à l'antenne, a déjà été évoqué, si on veut, de nombreuses fois. Ça parle aussi de l'amitié, voilà. Personnellement, je suis seule depuis quelques années. J'ai rencontré des personnes dont deux qui n'étaient pas, enfin, j'ai rencontré deux personnes qui n'étaient pas du tout correctes, convenables. Il y en a même une qui a touché une de mes filles qui était encore mineure. Ah oui. Voilà. Personnellement, on me dit altruiste, jovial, j'aime les gens et j'aide les gens. Vous parliez de l'amitié tout à l'heure. Oui. L'amitié, c'est quelque chose de franc, de sincère, d'honnête. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens ont oublié de s'aimer eux-mêmes. Et si on ne s'aime pas eux-mêmes, on ne peut pas aimer le prochain. Oui. Alors oui, c'est vrai, mais je sais pas si c'est il y en a qui s'oublient de s'aimer mais qui aiment quand même les autres. Oui, heureusement, il y en a. Il y en a. Mais alors vous parliez des rencontres, des mauvaises rencontres que vous avez faites, vous avez parlé même d'une rencontre qui s'est qui a été très très particulière puisqu'elle elle a touché l'un de vos enfants. Oui. À quoi vous attribuez ces rencontres que vous avez faites? Vous semblez avoir une certaine perspicacité, une certaine vivacité et pourtant vous avez fait ces mauvaises rencontres? C'était par intermédiaire d'une amie qui connaissait quelqu'un qui était tout seul. Donc elle me l'a présenté. Je sortais avec cette personne pendant 2 ans et demi. Mmh. Tout se passait très bien. Mmh. Et un beau jour, mon médecin m'a expliqué, ce sont des pulsions voilà, qu'on ne peut pas savoir. Donc qu'on peut pas déceler, oui. Voilà. Donc voilà, mais ce n'est pas avec ces deux mauvaises expériences entre guillemets que que je voudrais pas. Je dis pas que je voudrais continuer ma vie à deux. Non, je voudrais rencontrer un ami ou bien commencer un cercle de personnes seules, soient-elles de n'importe où, mais des personnes. Honnête, franche, qui aime la vie, qui aime partager. Vous avez, parce que là on parle d'amour, on parle d'amitié, oui. On parle de rencontre. Oui. Vous arrivez, je crois, je lisais dans votre fiche, dans ce que vous avez confié à Sonia, oui. Vous dites que vous arrivez à l'âge de la retraite. Je suis à l'âge de la retraite, j'ai dépassé. Vous avez dépassé, oui. Mais ce qui veut dire que vous ne travaillez plus aujourd'hui? Non, je ne travaille plus et je suis assez associative, donc je suis dans un, je fais du bénévolat dans un centre socioculturel. Ouais. Voilà. Et mais alors, la vie,
Et vos amis, ceux que vous avez eus pendant toutes les années précédentes, vous continuez à entretenir ce réseau amical ? Ah oui, je continue à j'ai un réseau d'amis, bien sûr, qui s'est rapetissé parce que j'avais des amis qui étaient seuls, qui, elles, plus ou moins, ont trouvé aussi quelqu'un et chacune fait sa vie de son côté, les enfants grandissant, allant à l'étranger, les parents, surtout ceux qui sont seuls, suivent les enfants, bien sûr. Donc, mon cercle d'amis commence un peu à se restreindre. Mais bon, il y en a encore, hein, bien entendu. Il y en a encore. Donc aujourd'hui, c'est plutôt quand même une relation à deux que vous chercheriez. Enfin, c'est ce que vous aspiriez peut-être à rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez vraiment faire des choses à deux, et même si vous ne vivez pas avec lui, en tout cas une relation sentimentale. Je pencherai aussi, bien sûr, de ce côté-là, mais d'abord, disons, à titre tout à fait... tout à fait amical et dans un premier temps, parce que c'est plus après 60 ans que... parce qu'il y a, excusez-moi, tous les messieurs qui écoutent l'émission, j'entends souvent, oui, je recherche quelqu'un avec une beauté intérieure. Mais la beauté intérieure, messieurs, excusez-moi, mais ça ne se décrète pas dans les 5 minutes ni dans les 2-3 fois qu'on voit une personne. Enfin, d'après moi, hein, je peux me tromper. Oui. Mais vous, aujourd'hui, votre requête, aujourd'hui, votre recherche, c'est parce que vous êtes dans un réseau, vous dites, associatif, vous travaillez dans le bénévolat, vous avez autour de vous donc un certain nombre de personnes avec qui vous partagez de plutôt de belles choses, puisque dans le réseau associatif, c'est assez gratifiant ce que vous faites. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est plutôt, il y a plutôt des personnes plutôt, c'est la gente féminine, il y a moins d'hommes ou vous y en... Exactement. Mais vous pouvez aller partout, il y a beaucoup moins d'hommes. Hein. Oui. Il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes, hein. C'est statistiquement, oui, même déjà. Et même dans l'amitié masculine, puisqu'on parlait d'amitié tout à l'heure, vous aimez être en compagnie d'hommes, vous aimez échanger, sans parler d'amour, sans parler de quoi que ce soit. Vous aimez échanger avec les gens. Oui, en général. Je suis curieuse de la vie. J'aime la vie, je suis une curieuse de la vie, oui. Vous avez la possibilité de voyager ? Oui, bien sûr. Et lors de vos voyages ? Bah écoutez, vous savez, si vous partez toute seule, vous rencontrez des gens, mais je pars pas dans cette optique-là. J'ai un peu des enfants qui sont aussi un peu partout, donc j'aime beaucoup le sud de la France, mais lorsque je voyage, je ne voyage pas dans le but de trouver quelqu'un. Non, je veux dire, d'une simple amitié peut naître beaucoup, mais d'une amitié franche, construite. Vous semblez un peu déçu, même de l'amitié, non ? Parce que vous avez des idéaux et vous avez tout à fait raison. Mais vous semblez, on sent derrière les mots, alors vous nous avez parlé de ces deux relations masculines que vous avez eues, qui étaient évidemment navrantes et qui vous ont quelque peu frustré. Mais même au niveau de l'amitié, vous semblez avoir été déçu, Gigi ? De l'amitié, non. J'ai des amis depuis plus de 50 ans, donc tout va bien. Mais je suis surtout déçue, je n'emploierai peut-être pas ce mot-là, mais je me suis fait une autre idée, si vous voulez, de la franchise, de l'amitié entre les gens, même entre femmes ou hommes et femmes, que je ne l'ai vécu, oui. Oui, on le sent. Parce qu'en fait, l'amitié, alors elle peut être soudaine, elle peut être instinctive, elle peut être... Mais la vraie amitié, c'est celle qu'on a depuis déjà un certain nombre d'années. C'est souvent soit à l'école, soit lorsqu'on fait des études, soit même lorsqu'on commence dans sa vie professionnelle. On peut rencontrer des gens qui vont nous accompagner toute une vie. Et ces gens-là font même partie de notre famille. Ah oui, mais ça c'est ce que j'appelle du platine en barre, ça. J'en ai. J'habite en Alsace, j'ai des amis d'enfance qui habitent un peu aux quatre coins, j'en ai dans le sud de la France, j'en ai 2-3, j'en ai un peu partout, et on est en contact
quasi permanent. Hein, je dirais par écran interposé ou par téléphone interposé. Vous n'êtes pas proche de, vous ne les voyez pas physiquement parlant. Mes meilleurs amis de Marseille, par exemple, ouais. Je les vois une fois tous les 3 ou 6 mois. Et alors, vous avez jamais essayé, évidemment, je sais qu'il y en a qui sont très réfractaires, vous n'avez jamais essayé d'aller sur des sites de rencontres, d'échanges, où vous pourriez, en mettant votre profil, en mettant vos aspirations, en mettant un peu qui vous êtes, ce que vous aimeriez, qui vous aimeriez rencontrer. Oui, je l'ai déjà fait et je suis malheureusement, je l'ai déjà fait 2 fois ou 3. Je suis tombée sur des hommes qui n'étaient pas libres. Qui se prétendaient divorcés, qui se prétendaient séparés et qui ne l'étaient pas du tout. Et puis, écoutez, vous savez, derrière un écran, des fois, bien sûr, on peut heureusement tomber meilleur. Sur quelqu'un de bien, ouais. Mais moi, je suis 2 ou 3 fois tombée sur des gens qui n'étaient pas libres et qui me disaient qu'ils l'étaient. Et vous les aviez rencontrés, finalement ? Je les ai rencontrés. J'en ai rencontré 2 sur 3. Et comment vous êtes-vous aperçu de leurs mensonges ? Ils vous l'ont finalement, ils se sont révélés à vous ? Comment vous êtes-vous aperçu ? Non, parce qu'ils n'étaient pas libres le week-end. Jamais. Et puis bon, quand on a la soixantaine, qu'on soit une fois chez un enfant ou une fois chez un autre, je peux admettre, mais qu'on est tous les vendredis, tous les samedis et tous les dimanches une autre excuse, c'est un peu plus gros que ça. Alors, moi, j'ai tendance à dire qu'il en suffit d'un seul. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le lot, vous allez peut-être en rencontrer plusieurs, vous allez en échanger avec plusieurs, et puis il va y avoir l'exception, celui qui finalement va être celui que vous attendez peut-être, en tout cas qui sera conforme à ce qu'il vous a dit. Et c'est dommage de ne pas continuer, parce que c'est quand même aujourd'hui, je dis pas que c'est la solution à tout, mais c'est soit ces réseaux sociaux, soit en tout cas ces sites de rencontres, et des sites de rencontres particulièrement sérieux, en tout cas qui se présentent tels quels. Mais c'est quand même une formidable possibilité de rencontrer des gens, de discuter, d'échanger. Ça met un peu de piment dans la vie au quotidien, parce qu'on se dit, tiens, est-ce que j'ai un message ? C'est un peu comme une bouteille à la mer qu'on lance. Et puis, alors oui, vous allez avoir forcément des gens qui ne cherchent pas la même chose que vous, qui sont capables de vous mentir. Mais comme vous semblez être très perspicace, Gigi, vous avez vite fait le tour vous avez suivi le menteur jusqu'à sa porte, comme on dit. Mais en même temps, vous pouvez rencontrer parmi ce lot de personnes la bonne personne, en tout cas celle avec qui vous pourriez faire un bout de chemin. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à la retraite, vous êtes disponible, vous pouvez voyager, vous êtes plutôt, enfin je vous écoute, vous avez de l'humour, vous avez de la distance, vous semblez positive. Donc c'est tout ce qu'on peut rechercher. Vous avez beaucoup de qualités, semble-t-il, Gigi. Merci beaucoup pour ce que vous me dites. Je pense que c'est vrai, mes amis me disent la même chose. Et surtout, j'ai quelque chose que j'appellerais que la personne habite même dans le sud de la France. Je dirais même tant mieux. Pourquoi ? Parce que étant à la retraite, si chacun gardait son appartement, la personne pourrait venir 6 mois chez moi et moi 6 mois chez lui. Je veux dire, je suis une personne qui suis ouverte à beaucoup de choses et, comme dit, qui suis curieuse de la vie et qui voudrait encore profiter de la vie, entre guillemets, avec tout ce que ça comporte. Alors, on a pas mal de réactions. D'abord parce qu'on a lancé un SMS que nous avions reçu me demandait la définition de l'amitié. Donc du coup, on a pas mal de gens qui se sont mobilisés, des auditeurs qui ont la gentillesse de nous envoyer des SMS au 739-21. On nous dit l'amitié, vaste sujet, nous ne sommes pas tous égaux en amitié, aimer égale amour, déjà s'aimer soi-même pour aimer les autres, bon ça c'est quelques réflexions. On nous dit qu'il y a une formidable chanson d'Henri Tachant intitulée « Entre l'amour et l'amitié », c'est Antonia qui nous dit ça.
L'amitié ne compte pas le nombre des années, on est d'accord. Ça, c'est pour en rebondir sur ce que vous disiez, vos amis que vous aviez depuis plus de 50 ans. C'est Jeanne qui nous dit ça. Alors Muriel nous dit, alors Gigi, dans son discours, on ne sait pas trop ce qu'elle cherche. Est-ce qu'elle cherche l'amitié? Est-ce qu'elle cherche l'amour? Voilà, on aimerait en savoir plus, nous dit Muriel. Et puis Cali nous dit, eh ben Gigi, elle a quand même des amis partout. Donc visiblement, elle n'est pas seule dans le vrai sens du mot. Mais en fait, vous ne nous avez pas dit d'ailleurs que vous étiez seule. Vous disiez simplement que vous aviez envie de partager un peu plus de choses avec une personne. Ça, c'est pour répondre à Karl. Et puis, on a Pierre qui nous a joint en 3921, Gigi, et qu'on va prendre en ligne là sur Europe 1. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de nous avoir joint en 3921. Vous vouliez réagir à notre discussion, à notre échange avec Gigi. Voilà, il y a quelques idées fortes qui disent qu'un véritable ami, c'est celui qui est là dans les cas de détresse, c'est-à-dire quand on a des problèmes. Mmh. Un véritable ami, c'est aussi celui qui nous défendra contre toute opposition. Il va aider son ami malgré, disons, une opposition forte. Voilà, et il y a une autre idée qui est très intéressante aussi, il me semble. Pour avoir des amis, ben, il faut d'abord se faire l'ami de l'autre. Vous voyez, quand on a vu quelqu'un qui nous semblait avoir un bon comportement, qui nous attirait, ben, il faut commencer par se faire l'ami de l'autre. Et en retour, en espérant que lui devienne notre ami. Voilà, déjà trois idées que je pense qu'on peut mettre en application et qui sont efficaces. Et alors vous disiez, vous étiez d'accord, je lis sur l'écran où je vois votre appel, vous disiez que Gigi disait qu'il faut s'aimer soi-même pour aimer quelqu'un. Ah, oui. Vous trouvez que c'est exact, oui? Ah oui, tout à fait, parce que si on n'a pas d'estime ou on se sous-estime ou on se culpabilise, on aura beaucoup de difficultés à aller vers les autres. Hein. Mmh. Puisque déjà, il n'est pas question d'être orgueilleux, mais de s'estimer à sa juste valeur et d'avoir de l'estime pour soi-même, de s'aimer soi-même. Hein. Vous avez beaucoup d'amis, Pierre? Vous avez rigolé. Quoi? Des amis, j'en ai dans le monde entier. Oui, pourquoi? Par votre travail Non. Par vos activités passées, non? Non. Comment vous les avez rencontrés, alors, ces amis? Je vais vous dire, je peux aller dans n'importe quel pays, que ce soit dans le monde entier. Je dis trois mots. Et ils vont dire entre, tu peux loger, tu peux manger. C'est l'altruisme fait, homme. Non, parce que je suis témoin de Jéhovah. Ah. Et témoin de Jéhovah, c'est une famille internationale. D'accord. Et on a l'amour du prochain. Ouais. Et le prochain, c'est tout le monde. C'est pas seulement les témoins de Jéhovah, vous voyez. Vous êtes. On va demander à Gigi. Vous êtes croyante, Gigi? Oui, oui. 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 Et ça vous aide dans la vie en général? Ça vous donne de l'optimisme? Ah oui, bien sûr. Mais je suis d'accord avec Pierre sur certaines choses, c'est-à-dire l'amitié, bon, c'est à construire, bien sûr, lorsqu'on rencontre quelqu'un qu'on trouve sympa et qu'on voudrait même discuter. Je trouve que les hommes ont plus de chance que nous, les femmes, parce qu'un homme qui rencontre un homme ou même une femme a plus de facilité à discuter qu'une femme qui rencontre un homme, parce que l'homme, il va se dire « qu'est-ce qu'elle me veut ?» Oui, il y a toujours, il y a toujours une équivoque. C'est, ouais. Vous êtes d'accord, nous, Pierre? Oui. Non, mais chez nous, il n'y a pas d'équivoque, parce que les gens vers lesquels on va bien sûr, principalement en premier lieu, vers des personnes qui ont les mêmes convictions, et donc il y a une confiance totale qui s'instaure, étant donné les principes qu'on met en avant, le fait d'être honnête, le fait des principes très élevés au niveau moral. Donc on n'a pas de problème, mais on peut aussi développer d'autres amitiés, mais qui seront plus mitigées.
Mais avant qu'une amitié se fasse avec quelqu'un, on va faire preuve de perspicacité, on va essayer de voir comment il vit. Alors, on a beaucoup de réactions, on a beaucoup de définitions de l'amitié. On nous dit, un auditeur nous dit, l'amitié pour moi, c'est de l'amour éternel et blanc, comme les neiges du même nom. L'amitié arrive seule, sans la rechercher, contrairement à l'amour. Quelqu'un d'autre nous écrit, quand je dis quelqu'un d'autre, malheureusement je n'ai pas le prénom du SMS. Je suis dans un groupe d'amis depuis un an, rencontré sur Instagram grâce à Florence Foresti, car j'y tiens un compte fan et j'ai grâce à elle j'ai rencontré une foule de personnes, j'y ai trouvé une source d'amitié importante grâce à ce réseau social et grâce quelque part à Florence Foresti. Lola nous dit, être son propre ami avant d'être ami des autres, ça se cultive. L'amitié se nourrit. C'est dans les moments difficiles que l'on sait qui sont ses amis. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Pierre. Oh, tout à fait, oui. Paul nous dit, Gigi, visiblement, n'a aucun problème pour discuter, pour rencontrer. Ça s'entend, dit Paul. Oui, mais on peut aussi définir l'amitié. Il y a plusieurs niveaux d'amitié. L'amitié superficielle, moyenne et l'amitié profonde. Hein. Vous savez, il y a un personnage que tout le monde connaît qui a dit, il n'y a pas de plus grand amour pour une personne que de donner sa vie pour son ami. Ça va très loin. Hein. Oui, c'est un peu romanesque quand même. Ça va très loin. Bon, ça, tout le monde n'est pas prêt à accepter ou à le faire. Hein. Alors Muriel nous dit, personnellement, je n'aime pas ce terme d'amitié qui englobe tout et n'importe quoi. Je préfère parler d'échange, de partage, de réciprocité, de complicité, d'attachement au final. Oui, mais ça, c'est pas véritablement l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose de profond qui lie deux personnes. Et justement, quand tout va bien et quand tout va très mal, hein, pour l'autre. Oui, mais au début, une amitié qui se construit ne peut pas être déjà d'ores et déjà comme ça. Il faut construire une amitié. Une amitié. Oui, il faut qu'il y ait une confiance réciproque. Il faut que s'installe une certaine intimité. Il faut que. Tout à fait. Il faut que certaines barrières tombent et qu'on puisse, discuter sainement. Mais quand on va dans le brouillard, quand on ne connaît pas la personne devant, c'est sûr qu'on navigue comme un voilier dans le vent. Chez nous, il n'y a pas ce problème-là. Et oui, chez vous, c'est... on a bien compris, Pierre. Oui. On a bien compris, Pierre. Je voudrais juste porter quelque chose de plus, une information supplémentaire. Oui. Des amis sur qui je peux compter, j'ai. Mais moi, disons, mon souci, c'est que quand vous êtes seul quelques années, vous rentrez, vous êtes seul, vous partez, vous êtes seul. Les amis, c'est très bien. Moi, si j'ai besoin de téléphoner à quelqu'un demain matin à 2h, je sais qui appeler. Et s'il le faut, ils sont là dans la demi-heure qui vient. Vous voulez quelque chose de plus, Gigi ? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus, Gigi ? Bah écoutez, moi je voudrais rencontrer quelqu'un qui soit bien dans ses baskets et bien dans sa tête, ce qui est difficile de trouver aujourd'hui. Bon, en tout cas l'appel est lancé, Gigi, est lancé. Mais l'amitié n'est pas obligatoirement basée sur des relations entre hommes et femmes. Bien sûr, Pierre. Dans le cas de se retrouver dans le même lit, hein, attention, l'amitié, c'est non, non, mais c'est ce qu'elle dit, Gigi, elle dit qu'elle veut un peu plus que de l'amitié, ça veut pas dire qu'elle veut partager la vie de quelqu'un, mais elle veut un peu plus que l'amitié. En tout cas, merci Pierre de votre réaction au 3921. Oui. Gigi, l'appel est lancé. Ça aidera certains, les trois idées, quoi. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Pierre. Gigi, je vous disais que l'appel est lancé. Moi, je pense qu'il faut continuer à aller du côté des sites, pardon de vous dire ça, mais alors après, il y a la rencontre du hasard que vous pouvez faire dans le cadre de vos associations, de votre participation bénévole à certaines associations. Il y a vos voyages, mais je crois aussi à des sites de rencontres sérieux. Et puis, je vous dis, il suffit d'une seule personne qui peut être la bonne. Et avec votre perspicacité, votre optimisme, et vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, avec votre expérience aussi, ben je pense que peut-être que cette personne va arriver très bientôt dans votre vie, Gigi.
on vous le souhaite. Bon, je suis une optimiste née, donc tout va bien. Hein. Oui, oui, on le sent, Gigi. Merci en tout cas pour votre appel. Merci beaucoup à vous. Et puis, longue vie encore à votre émission. C'est très gentil. Vraiment très, très bien. Je l'écoute tous les soirs. Merci. On vous embrasse, Merci Gigi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Roland Pérez sur Europe 1. 39-21. 50 centimes la minute plus coût de la pouce sur Europe 1. Pour dialoguer avec Roland Pérez, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 739-21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints au 39-21. Votre histoire est particulièrement triste, Fabienne. Elle est douloureuse, oui. Mmh. Elle est douloureuse plus pour mes petits-enfants que pour moi, mais parce que en tant qu'adulte, on vit les choses un peu différemment, mais c'est vrai que c'est difficile. Je viens de passer une année très, très douloureuse. Il n'y a pas de mots. Oui, il n'y a pas de mots. Vous avez perdu malheureusement deux enfants. Deux enfants adultes, oui. Et ça a commencé, de toute façon, les difficultés ont commencé quand il y a 11 ans, on m'a découvert un très grave cancer avec 4 tumeurs bien, bien avancées, où les médecins ne pensaient pas que j'en aurais pour plus de 2-3 mois. Et puis, à la suite de ça, bon, je me suis battue, j'en suis sortie, un peu mutilée, mais sortie. On s'est aperçu que c'était une maladie rare. Donc il n'y avait pas de recherche beaucoup en France, il n'y a qu'à Bordeaux que ça se fait dans un institut. Donc on a demandé que mes enfants se fassent dépister et j'ai 5 enfants. Les 5 se sont fait dépister, les 5 se sont retrouvés positifs, mais le problème, 8 petits-enfants, 8 positifs aussi. Et cette maladie attaque un peu tout le système digestif et attaque à peu près tous les organes et on fait des tumeurs qu'on appelle desmoïdes. Et ça peut paraître pas grave pour les gens parce que eux ils pensent tumeurs cancéreuses, mais c'est des tumeurs, ce sont des pieuvres. Mmh. Et donc mon fils qui était en Nouvelle-Calédonie, qui avait 29 ans, il y aura un an le 26 août, il a su ce qu'il avait, il savait qu'il avait des polypes, il faut enlever le côlon, enfin c'est des opérations très lourdes, il n'a pas voulu le faire. Et puis quand il s'est rendu compte que ça avait dégénéré en cancer, il s'est pendu. Il avait 2 petites filles. Il m'a envoyé la photo de sa dernière petite fille qui avait 3 semaines et lui. Et puis quand j'ai essayé de le joindre avec le décalage horaire, c'est pas facile. C'était trop tard. Il s'était pendu. Et sa compagne, la maman des petites filles? Je n'ai pas de contact puisqu'il est à Calédonie, qu'elle est les Kanaks, elle est retournée dans sa tribu et les petites sont là-bas et je n'ai malheureusement aucun contact avec parce que elle a rompu les contacts suite à ce drame. Et puis de là, 15 jours après, j'apprenais que ma fille de 38 ans, qui a 4 enfants, qui avait cette maladie aussi, qui a été opérée aussi souvent que moi, parce qu'on a à peu près des opérations tous les ans, quoi. Et puis elle aussi était partie, je suis en Charente-Maritime, elle est partie vivre du côté de Poitiers, et puis parce qu'elle en avait marre de tous les ans subir des cryothérapies, de subir des choses et tout, elle a décidé de fuir le contrôle médical, elle n'a rien fait. Et puis, quand j'étais appelée en urgence par ma petite fille, elle avait opéré à 3 heures du matin, au mois de septembre, elle avait failli y rester, puisqu'il y avait vraiment des dégâts. Elle avait une tumeur qu'on savait, qui avait tout explosé le système digestif. Elle a passé 8 mois à l'hôpital et elle est partie le 5 avril dernier. Le 3 avril, on discutait de l'anniversaire qu'aurait dû fêter son frère. Il aurait eu 30 ans. Et elle est partie le 5 avril. Et ça faisait des semaines qu'elle me disait qu'elle se sentait mourir. Et je n'ai rien pu faire. Rien. Alors, j'ai récupéré ses 2 enfants aînés. Quel âge ont-ils ? Alors, j'ai ses 2 enfants aînés, parce qu'elle a 4 enfants, mais 2 qui sont partis avec le père en Charente-Maritime, qui ont 11 ans, des jumeaux. Et moi, j'ai mon petit-fils qui a 18 ans, à qui on a enlevé le côlon et qui, au mois de novembre dernier, on lui a enlevé une tumeur desmoïde au cerveau. Donc, il n'a pas pu passer son bac, il va recommencer dans le lycée. Et ma petite-fille de 15 ans et demi, que j'emmène au mois de janvier pour le dépistage génétique. Et on a déjà des soupçons, on voit déjà certains problèmes, on sait on va espérer qu'elle a qu'un bout du syndrome. Et oui, donc c'est quelque chose d'extrêmement lourd quand même, Fabienne. C'est très difficile, on est la seule famille en Europe à être touchée à 100% de façon aussi agressive.
Les médecins, j'imagine que vous êtes, puisque vous êtes extrêmement suivi, que oui. vous avez été à plusieurs reprises opéré, oui. vous êtes bien suivi médicalement, Fabien ? Ben, on est suivi par l'Institut Bergonier qui est à la recherche à la pointe de tout ce qu'il y a. Maintenant, vous savez, c'est une maladie où tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de couper là où ça apparaît. Mmh. Sauf que moi, maintenant, ils ne vont plus pouvoir m'enlever vraiment d'organes parce que sinon, je ne sais pas, je vais être un peu vide à l'intérieur. À part mettre du PVC, je pense qu'ils vont pouvoir faire. Vous avez quand même, vous arrivez à avoir un peu de dérision, Fabienne, dans ce... Oui, avec ma fille, on a beaucoup ri à chaque fois qu'on a été hospitalisé, et heureusement. Et parce votre que... fille qui souhaitait s'en sortir aussi, qui s'est battue. Qui s'en est souhaité pendant un bon bout de et temps. Et puis elle a arrêté à un moment donné, elle a abandonné. Parce qu'elle a eu un nouveau compagnon. Pour le nouveau compagnon, elle n'a pas voulu lui dire la maladie parce qu'il... Elle avait peur qu'il parte, oui. Qu'il ne se serait pas fait. Et puis ben, de mauvais conseils parce que les gens autour d'elle et cette famille, desmoïdes, une tumeur, wow, c'est bénin, c'est pas grave. Et puis ben, je crois que... Vous savez, moi quand je dois aller voir un médecin, quand je dois faire des analyses, je... Il y a des fois, j'ai envie de faire comme ça en disant, bon, ça suffit, on verra bien ce qui va se passer. Donc, j'étais en colère que la maladie l'ait vaincue. Et en même temps, elle m'a dit, mais tu es là malgré tout. J'ai dit, mais heureusement, je suis là, bien sûr que j'étais là. Voir. J'ai dit, mais je ne lui en veux pas, j'en veux à la maladie. Mais ça fait mal, quoi. Ça vous empoisonne, en tout cas, ça a évidemment tué déjà deux de vos enfants. Oui, et puis ça a beaucoup... Ça empoisonne votre vie un peu familiale. Ben, mon fils aîné est bipolaire suite à ça. Mmh. Il a eu 3 greffes de cornée. Son frère, qui est papa et tout, a été opéré et a failli mourir plusieurs fois. Oui, on tremble. Mmh. Moi, j'ai déjà été opérée de la cataracte, on m'a enlevé des dents. Enfin, ça atteint tout. On a des allergies, on est allergique à plein de choses, il faut faire attention. Qu'est-ce qui vous permet de tenir, Fabienne ? C'est vos deux petits-enfants aujourd'hui qui sont avec vous ? Alors, je vais vous dire, bon, là, j'ai mes petits-enfants, c'est vrai, grâce à eux, j'ai 62 ans, mais je redeviens... Maman ? Maman, non, parce que je reste mamie et j'y tiens, parce que mamie, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire au monde. Être une mamie, l'avantage, on peut chahuter, on peut rigoler, on n'a plus l'éducation à faire, mais je deviens le soutien. D'abord, j'ai la tutelle de ma petite fille, mais ce sont des prolongements de ma fille. Mais avant, ce qui m'a tenue, c'est que je suis têtue, tout simplement. Je suis absolument obstinée et têtue depuis toute petite. Donc, j'ai failli mourir plusieurs fois et tout, et je suis toujours là. Et je sais pas, mais bon, je pense que là-haut, s'il y a un là-haut qui existe, ils veulent pas de moi, ils ont trop peur. C'est une responsabilité pour vous d'avoir vos deux petits-enfants chez vous. Ah, c'est difficile. C'est difficile, ça fait peur. Maintenant, ce sont des enfants adorables. J'ai mis tout en place ce qu'il fallait. Ils ont un suivi psychologique. Ils ont leurs oncles et leurs tantes qui sont autour, puisqu'on resserre quand même bien. J'ai mon mari aussi qui est là, qui depuis le mois d'avril, puisqu'ils ont été déscolarisés, puisqu'il n'y avait plus d'autorité parentale, on les a rapatriés ici. Il leur a donné des cours, puisqu'il lui donne des cours. Nous sommes en partenariat. Je leur apprends, parce qu'ils viennent de vivre l'enfer pendant 2 ans, je leur apprends à reprendre confiance en eux, mais en même temps, bon, je leur dis pas, mais ça fait peur. Bien sûr. Et eux ont peur ? Eux, non. Moi, mon petit-fils m'a dit, de toute façon, vous voulez tout qu'on aille ailleurs, c'était ici, mamie, c'était pas ailleurs. Oui, non, mais je veux dire, ils ont peur pour leur santé, ils ont vu leur mère partir de cette maladie. Mon petit-fils est né un peu ma mentalité, il a quand même eu 2 opérations, parce qu'il avait été opéré au mois d'août dernier, plus au mois de novembre, plus la maman au milieu, plus son oncle qui est parti. Ma petite-fille a 15 ans et demi, effectivement, c'est un peu plus difficile. Bon, elle, c'est un peu plus lointain, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'opération de prévue réellement, il y a des petits soucis de santé, mais qui sont bénins. Mais vous savez, on est une famille où ben, on se serre les coudes, mais surtout on se dit, bon, il faut y aller, quoi. On ne peut pas faire autrement. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Alors, on nous demande, Chipi et Pascal nous disent, est-ce qu'il y a une association de ce syndrome ? Non. Non. Non, non, c'est une maladie rare. En plus, on n'a pas de chance d'avoir chopé le syndrome avec, mais il n'y a rien. On est la seule famille. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, vous savez, j'ai eu une vie qui a démarré très difficilement quand j'étais tout bébé, donc ma mère ne m'acceptait pas. Quand je suis née, elle m'a fichu d'un tiroir de commode, elle avait fermé le tiroir. Donc, je pense que je viens... Vous êtes une rescapée de la vie perpétuelle, Fabienne. Oui, tout à fait. Je pense que je vous dis, là-haut, ils veulent pas de moi. Oui. Ils ont peur.
Mais c'est formidable quand même que vos deux petits-enfants vous aient et Oui. vous avez une réalité, vous vivez avec une lucidité, une réalité, ce qui ne vous empêche pas pour autant d'avoir un optimisme, de regarder les choses Vous savez, positivement, de... j'avais les médecins qui étaient plus effrayés que moi lors de la première attaque de la maladie. J'ai mis un mois et demi à réaliser. Et un jour, mon mari m'a vu dans le couloir, je ne tenais pas debout. Et je lui ai dit, mais c'est sûr que c'est vraiment mortel ce que j'ai. Là, j'ai cru qu'il s'évanouissait. J'ai fait l'année d'après une péritonite biliaire. J'ai failli y rester, j'ai fait du coma. Et j'ai jamais eu peur. La souffrance, oui, je sais ce que c'est, les traitements, les machins, ça j'en ai une trouille effroyable. Mais alors par contre, que ça s'attaque à mes enfants, j'avais très peur pour mes enfants, j'ai toujours très peur parce qu'ils sont plus jeunes et la maladie est plus violente. Moi j'avais 50 ans déjà. Donc je me disais d'ailleurs, mes enfants sont partis, les petits-enfants sont grands, Mais 50 ans, vos j'ai pris la parents, vos liberté. grands-parents avaient Alors, il y a eu une recherche et effectivement, il y a mon père. Ça vient du côté de mon père, mais c'était une génération où on ne parlait pas de ces choses-là, surtout pas quand ça touche au niveau du digestif. Donc, on n'a rien dit alors qu'on aurait dû nous dire quelque chose. Mais en même temps, il n'y a pas eu de recherche. Est-ce que le médecin aurait su ce qu'il fallait faire? C'est vrai qu'à 21 ans, quand j'ai eu mon fils, si j'avais su qu'il y avait une maladie grave, si on avait su me dire ce qu'elle aurait donné, j'aurais certainement réfléchi et je n'aurais pas eu mes 5 enfants. Mais à l'époque, on n'aurait pas pu me dire ce qu'on sait maintenant. Le fait qu'on ait dépisté chez vos enfants et vos petits-enfants ce même syndrome, est-ce que ça peut permettre une prise en charge plus rapide et éviter les dégâts de cette maladie? Alors là, ils sont suivis. Effectivement, à partir de 15 ans, ils rentrent dans le programme de recherche génétique. Et effectivement, la première opération, c'est d'enlever le côlon. D'enlever absolument le côlon, c'est ce qu'a eu mon petit-fils. Et après, en espérant, comme dans le programme de recherche, si je me bats si fort, si je me dis, oh, mais mon Dieu, ce qu'on a vécu, que eux puissent profiter d'un peu d'avancée. Et c'est vrai que j'explique à mes petits-enfants, parce qu'ils étaient en colère, ma petite-fille était très en colère après sa maman, je lui ai expliqué pourquoi elle avait lâché et pourquoi il faut continuer, même quand on en a ras-le-bol, si jamais elle rentre dans ce... Comme pourquoi il faut continuer. Ouais. Mais c'est vrai que ça donne un avenir un peu... Oui, un peu incertain. Ah mais, ben, ma petite fille a dit, je n'ai pas d'enfant. Mais en même temps, alors on a un message de Claude qui nous dit c'est toujours difficile de parler de maladie, c'est toujours souvent anxiogène, souvent le soir. En même temps, j'ai l'impression que... Moi qui fais quelquefois, parfois la libre antenne, nous avons des personnes qui sont très angoissées, très mal, et puis quand on essaye de décortiquer, ils ont des petites blessures. Et là, je vous entends, vous avez toute une famille est touchée, vous avez perdu deux enfants, et vous avez une force en vous, vous avez quelque chose qui mérite le respect. D'ailleurs, on a Muriel qui vous dit, quel courage, comment puis-je aider cette dame? Je lui laisse mon portable si je peux lui être utile. Courage et respect. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit, Fabienne. Vous savez, c'est j'ai l'impression que je fais ce qui est normal. Mes enfants, je les admire. Mon fils aîné, en plus, qui est divorcé et qui est bipolaire, maintenant stabilisé, mais qui a la bipolarité, l'a emmené très très loin. Et maintenant, on sait que c'est lié aussi au choc de la maladie et tout. Quand je vois, ils sont. En plus, mes fils, ils sont chefs de cuisine, donc ils travaillent comme des fous. Et ils élèvent des gosses, ils sont... Moi, je suis admirative. Je suis admirative. Ma fille, avec tout ce qu'elle a fait avec ses 4 enfants, je suis admirative. Mon fils qui est parti vivre en Calédonie, ce sont des perles. Des perles que la maladie a fauchées. Mais, et mes petits-enfants, vous verriez là, c'est admirable. Ce qu'ils mais sont. Mais donc, parce pas, que... Je n'ai pas de courage. Ouais, si, quand même. Parce que vous avez conscience à la fois de la gravité de cette affection. Vous en connaissez les dégâts. Vous avez... on n'est pas tous... On n'est pas tous égaux devant la force et le courage. Votre fils, visiblement, a eu très peur et puis il a lâché la barre. Votre fille, elle, malheureusement, elle souhaitait, elle, se battre et malgré son combat, elle est partie. Et aujourd'hui, vous êtes là, admirable, avec vos petits-enfants. Vous analysez la situation. Mais je suis obligée. Oui, parce oui. Qu'il faut pas mais, qu'il vous avez, mais vous avez raison qu'on est obligé. Mais des fois, on est responsable, on est obligé, mais on n'y arrive pas. On n'a pas cette force que vous avez. Oui, mais moi, le soir, j'ai Europe 1 que j'écoute, j'ai des choses, et puis je pleure, et puis voilà, je me laisse la nuit pour craquer, je me laisse la nuit pour me dire demain matin pourvu que je me réveille pas.
Et puis le lendemain matin, je me dis, mais ma fille, il faut que tu te réveilles. Bon, ce qui est le plus dur, c'est que mon fils est mort en Calédonie, sa tombe est en Calédonie, mon ex-mari n'a pas voulu communiquer, il était parti depuis 10 ans, j'ai pas un souvenir, j'ai rien, ça c'est difficile parce que c'est impalpable. Mais j'ai fait une tombe pour ma fille, j'ai mis aussi une plaque avec une photo de mon fils, et puis ben voilà, j'y vais. Et puis quand je suis pas au cimetière, j'ai l'impression que je vais leur envoyer un SMS, donc j'envoie. J'ai honnêtement, sur Messenger, je continue sur leur compte à mettre des messages comme avant. Vous avez un rapport extrêmement sain à la maladie, c'est assez bluffant. Moi, je vous le dis franchement, c'est assez bluffant. Je suis un peu désemparée parce que je ne sais même pas comment je pourrais, moi, vous aider. Vous êtes bien plus forte que l'on pourrait l'être. D'ailleurs, les messages le disent. Patricia vous dit, je vous trouve admirable, chère madame. Quel courage et quel optimisme. Je vous embrasse, Patricia. Didou Paris. Bonjour, Didou, d'ailleurs. Il nous envoie souvent des messages. Mmh. Quelle tragédie vit cette famille. On lui souhaite que la maladie la quitte un jour définitivement. C'est une maladie génétique, donc elle partira jamais. Mais vous savez, non, elle partira peut-être jamais, mais elle sera peut-être enrayée par un vrai traitement. Moi, il y a peut-être un traitement, pour l'instant, il n'y en a pas. Moi, avec l'âge, effectivement, ça se ralentit. Les effets sont plus longs. J'espère qu'on trouvera quelque chose qui permettra à mes petits-enfants de mieux vivre et mes enfants, qui sont toujours là, de continuer à vivre. Mais vous savez, quand vous allez dans un centre comme l'Institut Bergonié, si vous saviez ce que vous rencontrez, ce que vous voyez, les gens, il y a encore pire. J'ai vécu, j'étais hospitalisée des gens où il y a pire. Donc quand je vais pour lâcher, parce que je souffre aussi de fibromyalgie, parce que c'est les effets secondaires et ainsi de suite, ben je fais du sport et je dis, ma fille, tu te bouges, parce qu'il y en a qui peuvent pas se bouger. Quel sport vous faites? Alors je fais du gainage beaucoup. Mon petit-fils qui fait 2 mètres et qui, avec le médicament anti-épileptique, avait pris trop de poids, je l'ai pris au défi. Donc nous faisons des pompes, nous faisons de la chaise, nous faisons la planche, nous faisons du squat. Ensemble, et je le bats, parce que pour l'instant, il y a 2 ans où il n'a pas fait de sport, je le bats encore un petit peu. Alors, Maëva a tout à fait raison, et peut-être que je ne l'ai pas suffisamment bien exprimé tout à l'heure en vous le disant. Maëva nous dit, c'est souvent les personnes qui traversent de grandes difficultés, qui se plaignent le moins et qui développent une force de vie indéniable. Respect et grande admiration. Mais j'ai un gros défaut, c'est que maintenant j'en suis arrivée où je ne supporte plus les gens qui se plaignent pour rien, et je deviens un peu dure, un peu difficile. J'ai un mari un peu hypochondriaque, et le pauvre, quand il a mal à la tête, il pense qu'il a une tumeur. Il faut bien qu'il existe un peu, parce que entre vous qui avez des choses très sérieuses et qui prenez ça à la dérision, et lui qui a rien, il faut bien qu'il existe un peu. Mais oui, mais comme il lui arrive jamais rien de grave, donc résultat des courses, heureusement. Il a compris qu'il faut pas qu'il vienne se plaindre. Non, c'est vrai que je suis obligée de faire attention parce que je deviens un petit peu. Ça m'agace plus vite, bien sûr. Mais c'est en même temps ce qui vous donne cette force aussi, c'est ça qui vous donne véritablement cette force. Je sais pas si j'ai de la force, j'ai un désespoir monstrueux, mais c'est comme ça. Vous dites que vous avez un désespoir. Ah oui. Oui. Vous savez, le 31, ma petite-fille va rentrer à l'internat. Mon petit-fils, qui refait sa terminale, rentre 2 jours après. Ils vont plus être là la semaine parce qu'ils vont être à l'internat. Et là, j'ai très, très peur. Très, très peur de ce que je vais devenir. Parce que là, ils me tiennent. D'abord, il y a eu des démarches administratives qui ont été effroyables parce que c'est le combat de Goliath. C'est terrible. C'est terrible. Là, je n'arrive pas à avoir une mutuelle pour mon petit-fils qui a 18 ans parce qu'on me demande on demande un certificat de sa mère comme quoi elle demande la radiation de l'ancienne mutuelle. Je ne sais pas si vous voyez, c'est d'accord. Le truc. Oui, ça, c'est le. C'est... Voilà. C'est le Kafka, c'est l'administration kafkaïenne, oui. Donc il a fallu les réinscrire. Pourquoi ils ont souhaité eux partir en internat? Oui, parce que c'est pas à côté de chez nous. Moi, je suis dans un petit village et mon petit-fils voulait retourner dans le lycée qu'il avait 2 ans avant où il était bien. Ma petite fille a voulu reprendre aussi une autre filière et donc ça, c'est pas très loin, hein, c'est à 30 kilomètres, mais ça leur donne un peu d'autonomie. C'est un endroit qu'ils connaissent, ils y ont déjà beaucoup d'amis. Qu'ils avaient avant, quand ils habitaient dans le coin. Et c'est eux qui ont décidé. Moi, c'est bien. Oui, mais en même temps, c'est bien qu'ils se confrontent à d'autres enfants, qu'ils soient avec d'autres, parce qu'ils ne peuvent pas être réduits à leur maladie, ils ne peuvent pas être réduits aux souvenirs, malheureusement, de leur maman, même s'ils l'ont. Voilà. Même s'ils ont ce souvenir, ils vont vivre avec, ils vont grandir avec, ils vont se construire avec. Mon petit-fils ne voulait plus retourner sur Poitiers, et là, il vient de partir 3 jours pour fêter le bac de ses copains, et il est revenu en disant, ça y est, mamie, tu m'as aidé, j'ai plus peur d'aller à Poitiers.
Poitiers. Comme l'école d'ingénieurs où vous allez, elle est à Poitiers, je suis très contente du résultat. Donc je les ai mis chacun leur tour dans le train pour qu'ils aillent voir leurs copains, leur dire au revoir, et chacun leur tour sont partis trois jours. Mais vous parliez de désespoir, au contraire. Vous rendez compte du travail que vous avez accompli, de la force que vous donnez à vos petits-enfants? Je ne peux pas faire autrement, Je suis d'accord, je rebondis sur ce que vous disiez, j'ai du désespoir en moi, oui. mais ce désespoir, en revanche, j'ai du mal à le comprendre avec le formidable travail que vous avez accompli, avec le fait que vos enfants s'inscrivent dans une vie normale, dans une vie aujourd'hui étudiante, de réussite, de parcours professionnel. Je suis là pour leur apprendre à continuer, à se construire avec ce malheur, mais se construire eux-mêmes. Il faut qu'ils deviennent autonomes. Je leur ai dit, je ne pourrai jamais effacer la douleur, je ne pourrai jamais effacer les dates difficiles, mais je peux leur apprendre à légèrement les gommer tout doucement et se faire avec. Parce qu'on ne peut pas faire, ça ne s'effacera pas, on ne fait pas son deuil, ça n'existe pas faire son deuil. Mais apprendre à apprivoiser la souffrance. Oui, ou accepter, parce que des fois on n'a pas le choix que d'accepter, puisqu'on est, on est incapable, on est impuissant. Face, malheureusement, parfois à la maladie, à la mort qui vient nous cueillir. Et donc cette impuissance fait que quand on parle de deuil, on parle d'acceptation. Alors évidemment, quand on parle dans le désordre, quand les enfants partent avant les parents, c'est souvent dans le désordre, c'est pas dans l'ordre des choses. Surtout que moi j'ai failli partir plusieurs fois et je m'en suis sortie et je trouve... Mais vous vous sentez pas coupable quand même? Si. Bien sûr, pas responsable, parce que je ne l'aurais pas transmis en sachant que j'avais cette maladie. Mais bien sûr qu'il y a la culpabilité. Pourquoi vous vous sentez coupable, Fabienne? Parce que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Parce que c'est génétique et que je l'aurais transmis. Mais ce n'est pas vous qui l'aurez transmis. Non, mais je ne me bats pas la coupe, mais je sais. C'est peut-être pour ça aussi. C'est peut-être grâce à cette culpabilité que je tiens debout. J'essaye peut-être un petit peu de compenser ce que ma génétique l'aura transmis. Mais ce n'est pas votre génétique. C'est la génétique de toute une lignée, c'est pas vous. Vous n'êtes pas arrivé seul d'un coup. Vous aviez des parents, vous aviez des grands-parents, personne n'est responsable. C'est une maman, j'ai donné la vie, j'ai allaité mes enfants. Mais vous avez donné la vie, vous n'avez pas volontairement contaminé qui que ce soit. Tout à fait. On s'attribue souvent, quand on se sent coupable, on s'attribue beaucoup de pouvoir, mais en réalité, on n'en a aucun. Et ne croyez pas que vous vous rattrapez en étant ce que vous êtes avec vos petits-enfants, vous le dites vous-même, c'est normal d'être comme ça aujourd'hui. Sûr. Avec vos petits-enfants. Mais c'est peut-être pour ça aussi que je me bats, parce que moi-même, si je n'ai pas lâché, moi-même, si j'ai accompli des trucs où les médecins me disaient que j'étais un peu... Ils n'avaient jamais vu un cas pareil. C'est peut-être aussi pour leur dire, bon, écoutez, regardez, on peut y arriver. J'ai peut-être ça au fond de moi-même. C'est une façon de compenser autre chose. Parce que je sais tout ce que vous venez de me dire. C'est sûr que c'est un exemple, Fabienne. Vous êtes un exemple pour vos petits-enfants. La façon dont vous restez debout, votre dignité, votre force, votre accompagnement. Enfin, les mots me manquent, mais vous le savez mieux que nous. Je pourrais vous lire les innombrables messages que l'on reçoit au 739-21. Muriel nous dit, quelle leçon de vie, votre chemin de vie est riche d'enseignements. Vous pouvez vous sentir grand, vous et votre famille. Ah, de ma famille, je suis très fière, mais vous savez, j'avais une amie qui est partie il y a 3 ans d'un cancer foudroyant. Elle avait perdu 4 de ses enfants dans un accident de voiture. Et j'ai vécu à ses côtés, et c'est drôle parce que, elle savait que mes enfants étaient malades, mais certainement, et Lilou, je pense à elle tous les jours, elle m'a aidée préventivement sans le savoir. On a beaucoup parlé toutes les deux. Par sa force, ouais. Oui. Ça a quelque part... je ne vous dis pas que je n'ai pas hurlé, que ça n'a pas été dur, mais à un moment donné, quand j'ai commencé à émerger, j'ai pensé à elle. Puis j'ai une amie d'enfance, j'ai 62 ans, ça fait 61 ans qu'on se connaît et qu'on se fréquente. Elle est handicapée physique et handicap difficile, et elle mène une vie à 100 à l'heure. Je suis admirative et elle est là. Et quand on a comme ça deux piliers, ça aide. Je ne peux pas me plaindre parce que Marie-Odile, mon amie... Vous avez le droit de vous plaindre. Quand vous dites « j'ai pas le droit », on a toujours le droit de dire... Alors ça veut dire se plaindre, je ne sais pas, ce n'est pas se plaindre, c'est pas houspiller la vie. C'est simplement, vous avez besoin de parler. Et on le sent ce soir, mais j'imagine qu'autour de vous, est-ce que vous arrivez à en parler avec votre mari? Non,
surtout pas. Ah non, ah non, surtout pas. Il veut même pas en entendre parler. Non, j'ai peu autour de moi, à part cet ami d'enfance, puis cet ami qui est parti il y a 3 ans, j'ai peu de personnes, puisque vous savez, si vous parlez de ce genre de choses, ça fait peur. Mais pas tel que vous le parlez, tel que vous en parlez, vous, pardon. Au contraire, moi j'écoutais parce que Claude nous disait, c'est toujours un peu anxiogène, mais au contraire, vous nous donnez une force. Une force, vous relativisez vraiment les petits bobos de la vie que l'on pourrait avoir et pour lequel on se fait on se fait un peu trop de soucis, semble-t-il. Quand on vous écoute, au contraire, parce que vous n'en parlez pas de façon anxiogène, vous en parlez de façon constructive. Ah, moi, quand je sais que j'avais un cancer, j'en ai parlé. Des gens m'ont dit, faut pas le dire. J'ai dit, il faut en parler. Il faut que les gens sachent que d'un cancer, on en guérit, quelles que soient les circonstances. Et j'ai rencontré des gens qui avaient des... Moi, on a eu un ami du couple. Il s'est battu 8 ans contre un cancer très rare. Et il a lâché au bout de 8 ans parce que, ben voilà, c'était... Mais on a parlé, mais on a beaucoup discuté ensemble. Et on a beaucoup ri de nos mésaventures. Parce que quand on se fait opérer, il y en a des mésaventures bizarres et burlesques. Eh ben, on passait des moments ensemble où... pleurer de rire. Vous n'avez jamais pensé à écrire ? Je l'ai fait il y a quelques années, et puis des problèmes de la vie, des accidents de la vie ont fait que j'ai arrêté. J'ai pris la peinture à la place, et puis je viens d'arrêter la peinture, mais je vais reprendre l'écriture, oui, certainement. Et oui, ce serait un formidable témoignage de vie, de force, d'optimisme. Alors on a encore Monica qui nous dit « bouche bée, chapeau bas, je n'ai jamais vu une maladie qui aurait pu rendre quelqu'un aussi intelligent que vous ». C'est gentil. Voilà, et puis on nous demande Mimi demande si vous avez vu des psychologues, si vous avez... Alors, je suis à la recherche, mais dans le coin, ils sont super pris. Alors, je cherche des groupes de parole parce que j'ai besoin, là, c'est les 2 coups que je viens de prendre, parce que tout au long de ma vie, j'en ai pris des coups et des violents. Mais là, celui-là, j'ai besoin de m'occuper de moi, j'ai besoin de m'occuper de mon chagrin, j'ai besoin que quelqu'un prenne en charge ce que j'ai. Parce que sinon, Fabienne, elle va exploser en vol un jour. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, en vous exprimant beaucoup, en vous confiant, est-ce que vous n'avez pas peur de baisser les bras ? Non. Non ? D'accord. Non. D'accord. Avec un bazooka, peut-être, vous y arriverez, mais non. Merci en tout cas de votre témoignage. Je ne sais pas si on vous a aidé, mais vous nous avez énormément aidé, Fabienne. Vous m'avez fait beaucoup de bien. Bon, écoutez, Fabienne, n'hésitez pas à rappeler la libre antenne. Moi, je suis là jusqu'à mercredi. Et puis, vous avez Catherine Blanc qui va être là à partir de jeudi. D'accord, je vais continuer à vous écouter sans problème. Voilà. On vous embrasse encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Continuez à nous appeler au 3921. Nous allons arriver tranquillement au journal de minuit. Et tout de suite après, nous continuerons à prendre vos appels dans cette libre antenne qui se poursuit jusqu'à 1h du matin. Restez avec nous. Vous êtes au cœur de la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Ce qui vous préoccupe, vous le savez, nous préoccupe. Vous pouvez vous confier sereinement au 3921. Nous allons prendre le temps de parler ensemble et de réfléchir à ce qui vous touche et vous soucie. Les auditeurs sont là, derrière leur poste, et ils nous le prouvent. Après le témoignage de Fabienne, nous avons eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de SMS. Kiki nous dit « Je ne pleure pas les médailles que la France n'a pas gagnées. C'est à Fabienne que je les décerne, les médailles d'or. » Et puis Muriel nous dit « Ne le prenez pas mal, mais des témoignages comme celui-ci, celui de Fabienne, nous aident à relativiser. Il est riche, bien plus que les témoignages qui sont parfois un peu nombrilistes. » C'est ce que nous dit Muriel. Et c'est vrai que le témoignage de Fabienne, son histoire, l'histoire de sa famille, de ses enfants, et aujourd'hui de ses petits-enfants, nous ont à la fois bouleversés, mais nous ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir dans la nature humaine. Et on leur remercie encore. Et nous accueillons Marie-Elisabeth au 3921. Bonjour Marie-Elisabeth. Marie-Elisabeth ? Marie-Elisabeth ? Bon. Allô ? Oui, bonsoir Marie-Elisabeth. Oh, je vous entends très très mal.
Ah, alors, est-ce que j'ai une voix qui porte pas suffisamment jusqu'à votre téléphone, Marie-Elisabeth ? Est-ce que là, vous m'entendez mieux ? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ? Allô ? Oui, Marie-Elisabeth, est-ce que vous m'entendez ? Très mal. Alors, qu'est-ce que je dois faire, Marie-Elisabeth ? Vous avez envie de parler. En tout cas, vous pouvez vous exprimer sur notre libre antenne. Nous vous écoutons. Oh là là, il y a du grésillement sur la ligne. Ah, alors, je ne sais plus quoi faire. Vous m'entendez, là ? Non, ça va être impossible de pouvoir nous entretenir, cher maître, parce que je vous entends à peine. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends très bien. Très bien ? Oui. Alors, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, il y a un orage qui arrive ici. Ah, peut-être. C'est peut-être ça. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Marie-Elisabeth ? Je suis obligée d'un peu de crier dans le... Je pense que ce serait mieux qu'on se rappelle la prochaine fois que vous vous exprimez. Bon, alors, c'est ce qu'on va essayer de faire, Marie-Elisabeth. Je suis désolé. J'entends un grésillement très fort sur votre voix. Bon, alors, mais je ne comprends pas. Bon, alors, on va essayer de vous rappeler. Merci, Marie-Elisabeth. Pardon pour ce contretemps. Nous allons prendre Solange au 3921. Bonsoir, Solange. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien, Solange ? Oui, je vous entends, oui. Bon, bah alors, moi, ça devait... j'ai un peu la voix enrouée, mais enfin, vous m'entendez. Moi, je vous entends parfaitement. Ça devait être le téléphone de Marie-Elisabeth, malheureusement, qui passait mal. Oui. Vous aviez envie de parler de votre solitude, Solange. Oui, voilà. À l'époque, j'avais appelé plusieurs fois du temps de Caroline. Oui, oui, qui va bientôt revenir, Caroline Dublanche, voilà. Oui. Et donc, bon, ben, après, bon, je n'ai pas eu de suite, comme je suis à l'île de la Réunion. Ah, vous appelez de l'île de la Réunion ? Oui, alors je pense que les gens, bon, ils se disent que c'est loin, voilà, peut-être que les communications coûtent cher. Maintenant, on a tellement de facilités, je suis limitée. Donc, ben voilà, quoi, je me permets justement d'appeler. Donc voilà, j'ai 70 ans, oui. Je suis à la retraite, mmh. Et je suis seule depuis 25 ans. Mmh. C'est-à-dire, quand je dis je suis seule de cœur. Voilà, mais enfin, j'ai quand même deux enfants, deux grandes filles, de 48 et 46, elles sont profs, et j'ai trois petits-enfants, une de 21 ans, de 15 ans et 8 ans. Et en fait, j'habite avec elles, hein, en famille, mais dans mon petit truc à moi. Donc, évidemment, mais mes filles, elles ont leur vie. La semaine, ma vie est organisée, mais les week-ends et puis les soirs, mais je suis seule. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir... Si les gens peuvent m'appeler, discuter, voilà quoi, briser un petit peu la solitude de la nuit. Je ne suis pas insomniaque, hein, mais je suis une femme qui dort par exemple à 8h, 20h, 20h30, et à 1h, 2h du matin, je suis réveillée. Parce que vous dormez J'ai toujours été comme ça. Vous dormez un petit peu. Vous dormez un petit peu tôt, Fabienne, peut-être ? Je vous appelle Fabienne, Solange. Ça dépend, des fois 20h30, des fois 21h, mais. Pourquoi vous dormez si tôt, Solange ? Eh bien, parce que c'est comme ça. Depuis que je suis à la retraite, à l'époque, quand je travaillais, bon, j'ai une vie de travail, je ne sais pas, la direction. Et bon, ben, j'avais mis des occupations avec les enfants. Mais après, bon, c'est comme ça. D'un seul coup, le sommeil me vient comme ça, 20h30, 21h. Ça peut arriver aussi à 22h. Hein. Mais dans tous les cas, 2h du matin... Je suis réveillée. Ben oui, comme vous dormez tôt, votre cycle voilà, de sommeil, voilà, votre cycle de sommeil est un peu voilà. Bouleversé. Mais voilà. Est-ce que vous prenez le temps un petit peu de lire Oui, ah ben oui, oh là là, je lis beaucoup. Ben, je regarde la télé, j'écoute beaucoup la radio, la musique. Je zappe sur toutes les radios, Europe 1, Inter et tout ça. Et puis je lis, je fais beaucoup de mots fléchés, croisés, anagrammes et tout. Hein. Ça, je m'occupe, hein. Et alors vous dites que vous vivez, alors à la fois vous souffrez de solitude, mais en même temps vous vivez avec vos enfants et vos petits-enfants. Oui, c'est-à-dire que voilà, on avait fait après la séparation avec mon mari, on a fait une entente, on a un grand jardin et puis une grande maison. Donc j'ai une fille qui habite en haut, à l'étage, et moi je suis à l'appartement du dessous aménagé, et ma deuxième fille habite à côté, et puis avec ses deux filles, donc on est en famille. Bon, et vous partagez ensemble vos repas vous... Non. Ah non, non. Parce que comme elles sont enseignantes, elles travaillent la journée, et moi, je me partage avec les enfants. Je vais chercher les enfants à l'école, je vais les emmener et les prendre à 16h, quand mes filles ont des réunions et tout ça. Et
C'est en fait une solitude affective dont vous parlez, parce la solitude à proprement parler, vous l'avez pas avec la gaieté de vos petits-enfants, non, avec l'occupation de vos petits-enfants. La journée, j'ai une vie bien remplie. Ouais. C'est surtout la nuit, les soirs, vous savez, quand je rentre chez moi, les week-ends et tout ça, parce que mes filles, elles ont leur vie. Donc les week-ends, ben, on est seul en face de soi. J'ai des amis, mais les amis ne sont pas toujours disponibles. Et puis, les amis, la plupart des fois, elles ont aussi leurs obligations familiales. Mmh. Donc, après, je vois que depuis ma retraite, je ne me suis pas isolée, mais je me suis consacrée à mes enfants, à mes petits-enfants. J'ai une qui a 21 ans, et ça fait 18 ans que je suis à la retraite. Donc, depuis l'âge de 3 ans, je me suis occupée d'elle. Donc, finalement, je n'ai pas eu vraiment... Oui, votre vie de femme, c'est un été un petit peu oublié quand même. Voilà, et même avec mes amis... Je me suis enfermée dans le cercle de mes petits-enfants, je me suis occupée d'elles, donc je n'ai pas profité des associations, voilà. J'allais de temps en temps comme ça, et puis ben voilà. Après, bon, j'ai rencontré quelqu'un, bon, ça fait quand même 25 ans que je suis séparée, hein. Donc, de 43 ans, j'ai plus personne. J'ai rencontré quelqu'un qui venait de sa femme, on a sympathisé, et il était très dépressif. Donc, je me suis quand même occupée de lui. J'allais dans mes moments de libre, j'allais le voir. On faisait beaucoup de choses ensemble. On passait les week-ends ensemble. On mangeait ensemble et tout ça. Et malheureusement, bon, ben, il était très dépressif. Et puis, ben, voilà, il est mort, quoi. Voilà. Vous avez envie, visiblement, Solange, qu'on s'occupe de vous, enfin. Comme je suis allée à La Réunion, c'est assez restreint. Je me dis peut-être qu'on est avec Europe 1, peut-être les gens dans tous les départements, il y aura bien des gens qui sont seuls aussi, des femmes comme des hommes, hein. Il n'y a pas de truc, hein. Ben, avec qui on pourrait discuter. Et autour de vous, on ne vous présente pas, parce que j'imagine qu'à l'île de La Réunion, c'est un peu moins formel, les gens sont plus ouverts, plus... le contact est souvent plus facile. Et on n'a pas l'idée autour de vous, vos amis n'ont pas l'idée de vous présenter quelqu'un qui serait célibataire, seul. C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Ouais. C'est pas facile. Les gens, vous savez, bon, mais il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment passer une vie de couple, mais avoir une amie, mais après, bon, mais ça ne dure pas, voilà. Parce que c'est moi, je pense que dans votre situation, ce serait bien que vos amis se mobilisent. Est-ce que vous en parlez à vos amis? Est-ce que vous leur dites j'aimerais rencontrer quelqu'un, j'aimerais être avec quelqu'un, j'aimerais partager? Tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils... J'ai plein d'amis comme moi, de femmes comme moi qui entre 60 et 70 ans, 70 ans, qui jusqu'à maintenant, bon, ont eu des aventures, mais il n'y a rien de sérieux. Et il y a moins d'hommes seuls? Oui, vous savez, ici chez nous, ben, quand on va, par exemple, dans une soirée, dans un dîner d'enfants, un déjeuner d'enfants, ben, il y a 8 femmes à la table avec 2-3 hommes. C'est un peu comme partout en métropole, c'est pareil. Il y a quoi, 5 femmes pour un homme. Voilà, c'est un peu le problème, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure à Gigi, un seul suffit pour vous. Un seul suffit. Vous pourriez rencontrer le bon quand même. Ben voilà, voilà. Bon, après, c'est pas évident, mais en fait, je veux dire que ce que je veux, c'est avoir les contacts, même téléphoniques, avec des gens avec qui on discute. Et puis après, ben, au fil des jours, des mois, ben, il peut y avoir une amitié profonde qui se crée. Et dans les réseaux associatifs, on en parlait tout à l'heure avec Gigi, dans les réseaux associatifs. Je viens de me mettre Internet, hein. Mes filles, elles avaient Internet depuis tout le temps. Elles me disent, maman, mets Internet, comme ça, tu auras l'occasion de discuter. Mais j'ai hésité, ça ne m'intéressait pas. Et puis finalement, je me suis dit, bon, je vais m'y mettre. Et puis voilà, mais je n'ai pas encore démarré. Parce que on va croire que je fais la promotion des sites de rencontres, loin de moi promotion. Mais c'est un moyen de rencontre. Mais oui, et je me dis que on vient de vous installer Internet, Solange. Peut-être que en localisant effectivement votre situation, en indiquant que vous êtes à l'île de La Réunion, j'imagine qu'ils ne sont pas non plus légion, tous les célibataires. Mais s'il y en a quelques-uns qui auraient la même idée, peut-être que vous pourriez. Et éventuellement vous retrouver. Oui, mais c'est ce que j'ai pensé. Voilà.
Parce que je pense que si aujourd'hui vous n'êtes pas dans un réseau associatif, si comme vous me le dites, lorsque vous sortez, l'offre et la demande semblent un peu déséquilibrées du côté des hommes, l'offre est rarissime et du côté de la demande, les femmes sont plutôt nombreuses. Oui, donc il va falloir qu'on affine un peu nos recherches pour. Et je comprends que cette solitude vous pèse un petit peu dans la mesure où d'abord ça fait très longtemps que vous avez divorcé et puis que vous vivez, alors c'est bien parce que vous vivez en famille, donc voilà. mais vous avez une vie un peu monotone quand même. À 19h ou 20h, c'est très, le couvre-feu chez vous. Après, la journée, je m'occupe, j'ai ma voiture. Et le soir, c'est une amplitude terrible. Il y a entre ce que vous faites la journée, entre le fait que vous offriez à vos petites filles votre présence, que vous aidiez, c'est un peu le principe d'une famille, mais en même temps, on ne vous voit plus que comme une mamie. Et plus comme tout une femme. Tout à fait. Et ce qui fait que tout est fermé chez moi, mon cœur est fermé, je suis comme dans une bulle, quoi. Alors, je ne crois pas que votre cœur soit fermé, parce que si vous nous avez appelé... Mon cœur est fermé, je suis dans ma bulle. Oui, vous êtes dans votre bulle. Mais en même temps, vous en êtes parfaitement conscience, selon vous. Ah, tout à fait. Oh là, depuis des années, j'en rêve. C'est-à-dire que depuis que ce monsieur est mort, je me suis consacrée à lui. Ça a duré quand même 18 ans, hein. D'amitié, hein, uniquement l'amitié, hein, parce que c'est quelqu'un de très dépressif, donc il n'y avait rien d'amour, de sensuel, hein, que l'amitié, et je l'ai soigné jusqu'à sa mort. Oui, vous êtes beaucoup occupé des autres, mais à un moment donné, voilà. Il faudrait qu'on s'occupe un petit peu de vous. Effectivement, ça m'a fait un vide, parce que malgré ce que je m'occupais de malades, mais il était là. Il était là. Voilà. Oui, vous étiez un couple. Alors Paul nous dit, Paul Paule, oui. Nous dit la solitude est la même sur l'île aux moines, l'île de Batz et ou l'île de la Réunion. Chez nous aussi, il y a un coq pour cette poule. Tout à fait, elle a raison. Oui. Et oui. Donc cette solitude, on la retrouve effectivement partout. On peut la combattre aujourd'hui grâce effectivement à des engagements associatifs, parce qu'on y rencontre de belles personnes qui sont mues par les mêmes valeurs souvent. Et puis on peut y rencontrer des gens aussi seuls qui ont envie de partager. Donc ça peut être bien. Mais vous, c'est pas votre cas parce que vous avez votre journée est déjà bien occupée. Donc il reste pour vous. Peut-être effectivement ces sites de rencontres que vous allez pouvoir alimenter par le fait que vous habitiez d'abord à l'île de la Réunion et que vous puissiez donner un petit peu le profil de celui que vous recherchez. Oui, comme mes journées sont bien orientées, mais j'ai quand même des moments des heures de libre quand mes filles ont fini leur boulot et puis les vacances scolaires. Parce qu'elles sont profs toutes les deux, donc je suis assez libre, quoi, hein, pas de souci. Ah, voilà. De toute façon, vous n'êtes pas que dévolu à vos filles et vos petites filles. C'est pas non, parce que vous parce habitez que à côté. Les deux mamans sont enseignantes. Oui, donc oui, elles oui. Sont... oui. Voilà. Et vous-même, qu'est-ce que vous faisiez? Moi, j'étais secrétaire de direction. Et vous n'avez pas gardé, vous avez gardé, j'imagine, des relations ou des amis de cette époque où vous travaillez? Pas beaucoup, parce que quand on prend la retraite, on est assez isolé. Après, de ma génération, il y a beaucoup de retraités qui sont très fatigués, qui ne veulent pas, qui ne veulent plus participer. Moi, je fais beaucoup de marches. Moi, le matin, quand j'ai déposé ma petite fille à l'école, et bien, parce que la grande, elle a 21 ans, donc elle a sa voiture, et bien, je marche, je fais 6 à 8 kilomètres tous les matins. C'est bien, ça. Donc, alors voilà. Oui, j'allais vous dire si vous êtes en forme, est-ce que vous avez des clubs de sport aussi ou des... Parce que c'est des fois... On a créé un petit club. Non, je n'ai pas été dans un club parce que justement, avec mes occupations, avec mes enfants, je ne peux pas être présente. Alors, il va falloir... Oui, mais ça... Donc, moi, on a fait un petit club de sport avec des femmes comme moi. On est à une dizaine de femmes et on marche. Oui, mais alors ça c'est bien, mais c'est ce que nous dit un peu Lola. Lola nous dit, Solange, s'occuper de vos enfants, de vos petits-enfants, c'est bien. Mais qui prend soin de vous le soir et le week-end? Est-ce que vos filles s'occupent de vous? Non, c'est-à-dire qu'elles ont leur vie,
Bon, mais vous aussi, vous avez votre vie. Je les vois. Mais vous aussi, vous avez votre vie, Solange. Elles ont leur vie, c'est vrai. Elles travaillent, c'est vrai. Vous vivez ensemble, ça peut peut-être être sympathique. Mais en même temps, vous aussi, vous avez votre vie. Il ne faut pas que vous vous oubliez. Et votre appel le prouve. Vous n'avez plus envie de vous oublier. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de vie, mais il y a un vide quand même dans ma vie. Oui, mais il y a un vide. Mais un gros vide, si, voilà. Alors, quand vous me dites, je vais avec des 10 femmes pour marcher, c'est bien, mais il n'empêche que, par exemple, vous pourriez trouver peut-être un club de sport le soir vers 18h, vous pourriez aller, puisque la journée vous êtes occupé, le week-end aussi, et puis dans ce club de sport, vous alliez rencontrer aussi des gens peut-être de votre âge, avec lesquels vous pourriez échanger, et avec elles, souvent au sport, on se voit une fois, deux fois, trois fois, on prend un café, on sourit, on discute. J'avais bien pensé aussi à ça, mais bon... Mais oui, mais c'est des choses un peu... Il faut s'occuper de soi. Et à un moment donné, si on s'occupe de soi, en s'occupant de soi, tout d'un coup, on a un autre regard sur les autres et sur ce qui vous entoure. Quand on vit dans... Vous avez dit vous-même, je vis dans une bulle. Vous êtes enfermé dans cette bulle avec des horaires, avec des repères, avec le matin ou l'après-midi, vous savez que vous allez chercher vos petits-enfants. Vous savez que vous allez vous réveiller finalement à 1h pour vous rendormir à 4h du matin. Il n'y a pas pire la nuit de se sentir... Je m'endors plus. Voilà, vous, quand je me réveille à 1h, 2h, oui, mais du coup, il y a un décalage... Vous vivez en décalage horaire perpétuel qui fait qu'à 8h, vous ne tenez plus, vous avez envie de dormir. Et puis, vous vous réveillez. Donc, il va falloir que vous rééquilibrez tout ça. D'abord, il va falloir que vous rééquilibrez votre sommeil, que vous preniez en main cela, que vous voyez probablement un médecin qui vous permette de faire une nuit complète. À partir du moment où vous allez peut-être retarder un peu votre nuit pour la commencer peut-être vers 23h ou un peu plus tard pour que vous puissiez vous réveiller à 4-5h ou à 6h si déjà ça va vous rééquilibrer vos nuits et vos jours et vous n'allez pas sombrer dans une folle solitude la nuit quand on est vraiment seul, quand il n'y a plus de bruit, lorsqu'on se tourne et on se retourne, qu'on ne sait plus si on doit allumer la lumière et allumer la télévision ou prendre un livre. Tout à fait, c'est ce qui m'arrive la nuit, les nuits. Et comme mes enfants partent en vacances, mais c'est pareil, là je me retrouve seule. Mais là, je suis... Alors, c'est pour ça que votre but, il faut en sortir. Il faut s'occuper de vous. Parce que ce que j'entends, c'est que vous ne vous occupez pas de vous, quand même. Vous faites un peu de marche. C'est comme un reproche. Je me suis oubliée, quoi, depuis... Et aujourd'hui, je réalise que, Alors, Annie de Toulouse nous dit, j'ai vécu 3 ans à La Réunion. Ma fille habite au Tampon. Je ne sais pas ce que c'est, au Tampon. C'est une... Le Tampon, c'est à 80 km de chez moi. D'accord. Je veux bien discuter avec Solange. Vous pouvez lui laisser mon numéro. Bonne soirée. Ah, ben ça serait... Mais je pense que c'est dans ce but-là que j'ai... Eh bien, écoutez, le but est atteint. Annie de Toulouse veut discuter avec vous. Alors, on a un autre SMS. Alors, je ne sais pas qui nous écrit. Il nous dit, eh bien, moi, je veux bien accueillir Solange en métropole. Elle fera ce qu'elle veut et je lui présenterai mes amis sans problème, tout simplement. Bon. De toute façon, j'ai beaucoup voyagé aussi dans du temps de mon époux. Mais là, bon, depuis que je me suis consacrée à mes enfants voyagent. Moi, je suis la gardienne de maison, la gardienne des chiens. Voilà. Oui, mais là, il va falloir que vous arrêtiez un peu ce gardiennage. Je me suis dit là que voilà, oui. Peut-être que l'année prochaine... Que vous rendiez service, c'est bien. Voilà, d'ailleurs, Domi nous dit, s'occuper des autres commence par s'occuper de soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Pensez à vous, c'est ce que nous dit Domi. On a tendance à trop s'occuper de ses enfants. Alors, moi, je pense qu'il va falloir que, puisque vous êtes en forme et que vous arrivez à faire de la marche active, que vous trouviez quand même un club de sport, c'est bien. Pensez-y, vous allez avoir un autre rendez-vous avec vous, donc ça, c'est bien. Deuxième chose, peut-être rééquilibrer encore vos nuits et votre sommeil, c'est très, très important parce que ça va vous donner une autre pêche la journée et une autre vision des choses aussi. Attendez, j'ai la pêche. Hein. Mon médecin me dit, mais de toute façon, vous, on ne peut pas vous donner des somnifères. C'est votre non, pas de somnifères. De sommeil, il n'y a pas non, de non. problème. On nous dit, par exemple, essayez de décaler vos horaires progressivement. Vous aurez le sentiment d'être davantage dans les rails. Et cela pourrait être le début d'un renouveau dans lequel vous pourrez mieux prendre soin de vous. Les rencontres se feront sûrement plus simplement. Heures,
Alors voilà, ce sont des conseils que vous pouvez appliquer. Donc décaler vos horaires, faire du sport dans un club de sport, parce qu'un club de sport, je dis pas que c'est un club de rencontres, mais c'est un club d'échange en tout cas et de relations. Donc c'est bien que vous fassiez ça. Et puis aujourd'hui, on vous a installé à Internet. Alors vous allez pianoter avec vos jolis doigts sur le clavier. Vous allez peut-être commencer à regarder encore une fois des sites de rencontres sérieux, et en précisant bien votre localité. Et puis voilà, peut-être que je dis pas que le miracle, mais en tout cas que vous allez recevoir peut-être avec un clic téléphonique qu'on peut discuter. Vous allez discuter, puis on va vous donner les coordonnées de Domi. Je peux pas vous donner les coordonnées de celui ou celle qui veut bien vous accueillir en métropole, parce qu'elle nous donne pas, il ne nous donne pas ses coordonnées ni son nom. Donc en tout cas, on va vous donner les coordonnées de Domi. D'accord? Oui, tout à fait, je vous remercie. Voilà, et puis j'ai été ravi de parler avec vous, Solange, parce que vous êtes, vous avez une voix très chouette. Chez moi, il est 2h25. 2h25 du matin? Oui, 2h du matin. Ah oui. Le truc, le réveil devant mes yeux, là, 2h27. Bon, alors il est minuit 27 effectivement chez nous, donc il y a 2 heures de plus. On a eu 2 heures de décalage en ce moment. Oui, 2 heures de décalage. Au mois d'octobre, ça passe à 3 heures. Bon, continuez en tout cas à nous écouter si vous n'arrivez pas à dormir. Ben, j'ai toujours fait. Bon. Et après, il y a des fois aussi, ça m'arrive aussi de m'endormir après 2h30, 3 heures, je bois un café, je peux faire peut-être encore une heure de sommeil, ça m'arrive. Mais ce n'est pas systématique. Ah ne buvez pas de café avant, parce que là, vous ne pourrez pas redormir. Quand je dis un café, c'est un café très léger. Oui, mais même un café très léger. Dans votre cas, peut-être qu'il faut peut-être essayer un décaféiné éventuellement. Non, mais comme je bouge toute la journée, je suis toujours en activité, moi. Mm-hmm. Je bouge, je suis hyperactive. Mm-hmm. Je ne veux pas rester trop longtemps assis. Mm-hmm. Moi, il faut que je bouge. Mm-hmm. Je bouge pour ma voiture, je sors, je m'occupe, j'essaye de... Alors c'est pour ça, le club de sport, c'est peut-être une bonne piste aussi. En tout cas, rappelez Caroline qui va bientôt rentrer, et puis Catherine Blanc va reprendre le flambeau là dès jeudi. Vous pourrez également... Caroline va rentrer très bientôt aussi, probablement vers le 22 août, je crois. Voilà. Je reprends, je garde la ligne pour avoir les coordonnées. Oui, on va vous rappeler parce qu'on a beaucoup d'appels, donc on va vous rappeler. Sonia va probablement vous rappeler pour vous donner les coordonnées de Annie de Toulouse. Je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mais je vous en prie, c'est le but de cette libre antenne. C'est le but de cette libre antenne. À bientôt, oui. Allez, à bientôt. Et bonne chance à vous. Merci. Il était une fois, évidemment, j'ai encore rêvé d'elle sur Europe 1. 39,21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Clarisse. Un peu troublée, disons-nous, de mon appel, parce que après je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait d'appeler, parce que je ne sais pas si Sonia vous l'a dit. Voilà, mon problème un peu. Oui. Est-ce que une véritable amitié pourrait se transformer en amour platonique? Ça serait un peu mon rêve, voilà. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Alors, vous avez, j'imagine, déjà des amis, Clarisse? Oui, alors j'ai des amis, couples. Je dis seule, bien sûr, j'ai 72 ans. Et si vous voulez, j'ai des amis hommes, j'en ai pas beaucoup. Mais voilà, c'est tout. Alors c'est vrai que, je sais que je plais, mais dès que je sais que ça va plus être... Le rêve que j'ai dans ma tête, je coupe court un peu. Je garde toujours cette amitié, mais après, j'évite un peu, j'espace un peu, si vous voulez, les contacts, quoi, si on veut. Vous voudriez une amitié amoureuse, en fait, sans sexe, on va parler franchement? Surtout au départ, parce que souvent, vous voyez, j'ai 72 ans, j'ai encore une activité, je sais que je plais, on me dit que je ne fais pas mon âge, on me fait des avances, mais c'est ce problème physique, tout de suite, contact, Alors mon rêve, ce serait, démarrer par une amitié, mieux se connaître, et puis, après, si vous voulez,
réaliser, enfin, vivre un amour un peu, enfin, platonique pendant quelques temps, et pourquoi pas après, mais bon, pas forcément, quoi. Est-ce que ça existe, vous qui êtes justement un monsieur? Bien sûr que... Est-ce que ça existe? Bien, ça peut, tout peut exister dans les relations humaines, tout peut parfaitement exister. Il faut juste être deux, avoir la même envie et le même partage. Mais je pense qu'il ne faut pas... Alors, ce qui est bien quand même, Clarisse, c'est que vous dites une chose... vous ne vous interdisez pas quand même de pouvoir... Non, parce que c'est vrai qu'après un amour platonique, c'est vrai, vraiment, il y a, on va dire, un summum. Après, bien sûr, je comprendrai. Mais là, c'est pareil aussi. Bon, il faut, comme vous dites, il faut être deux, bien se comprendre. Et voilà. Et je ne sais pas, je suis compliquée peut-être. Non, je ne crois pas que vous soyez compliquée, mais je pense que votre histoire, votre parcours personnel plaide peut-être pour ce que vous souhaitez aujourd'hui. Vous étiez mariée, Clarisse, hein? Vous avez été mariée? Rire, bon, à 72 ans, vous voyez un peu, j'ai rencontré mon premier amour et mon mari, qui est devenu mon mari, et quand j'ai rencontré mon premier amour, on avait 17 ans et demi exactement, et après, quand on était mariés, disait toujours à nos amis, « Oh, mais Clarisse, j'ai attendu 6 mois pour avoir son premier baiser. » Donc, je tenais vraiment à elle. Hein. Et puis, bon, après, bon, voilà, c'est vrai, je suis un peu peut-être sauvage, j'en sais rien. Mais voilà... après, ça se mérite voyez... pour vous, ça se mérite ce... Non, c'est pas une histoire de mérite, c'est une histoire de... De confiance, de quelque chose... L'intimité, pour vous, c'est quelque chose de... Oui. Comme son nom l'indique, c'est-à-dire que... je vais pas dire respect, mais... Mais voilà, on n'est pas des bêtes, on n'est pas, voilà, je ne sais pas, enfin, j'ai peut-être un drôle d'esprit aussi, vous allez me dire, hein. Vous avez une éducation peut-être judéo-chrétienne peut-être, je pense que c'est une éducation, mes parents étaient très sévères. Mes parents étaient très sévères. On vous disait que est-ce qu'on apparentait le sexe au péché? Est-ce que... Non, pas du tout. Non, c'est pas une. C'est je pense, un ressenti. C'est plutôt un ressenti. Comment vos parents? Alors, mes parents étaient très sévères, bien sûr. Mmh. Et, je sais pas si et entre eux, ils étaient très affectueux? Ils étaient démonstratifs? On devinait pas. Non, ils étaient pas démonstratifs. À l'époque, je me souviens, nos parents, même les parents de mes amis, les gens n'étaient pas démonstratifs. Il y a pas une, après, il y a eu une évolution, bien sûr, hein, mais c'est vrai que... Mais les choses de la... Je me souviens, j'avais été très choquée, personnellement, en faisant, j'étais déjà maman, hein, vous savez, la pilule, la libération de la femme, mais j'avais été très choquée par le comportement, après, des femmes, quoi, dans le côté, justement, relation, amour, vous voyez, c'était... Je me souviens que la libération de... Enfin, la pilule m'avait marqué aussi par le comportement de certaines personnes. Pas toutes, bien sûr, hein. Pas toutes, mais j'avais été marquée par ça. Je ne sais pas pourquoi, Mais le sexe était tabou dans votre éducation? On n'en parlait pas, hein. Et même autour de vous, vos amis, c'était quelque chose qui était... C'est vrai qu'on n'en parlait pas. Je ne sais pas, mais ça remonte d'il y a 40 ans. Hein, il y a 40 ans, il n'y avait pas... Enfin, en plus, on habitait la campagne, enfin, semi-campagne. C'est pas du tout la ville, voilà. Clarisse, vous avez connu votre époux très jeune, vous disiez, je crois, 17 ans ou 18 ans. C'est le seul homme que vous avez finalement connu avant de vous marier, je parle. Oui. Et vous êtes resté marié combien de temps? 6 ans fiancés. Oui. 6 ans sans fiancé, sans rien faire, donc. Sans rien faire, non, parce que mes parents nous mouraient. Et puis, on est restés sans fiancé parce que j'avais une belle-mère qui ne voulait pas qu'on se marie, quoi. Elle voulait garder son fils. Et puis, bon, après, il a fallu. Mon fiancé a dit maintenant, c'est bon, j'ai 23, 24, 25 ans, c'est bon. Vous trouviez ça inconvenant aussi, vous, pendant vos fiançailles, par exemple, d'aller plus loin? Non, parce que c'était une éducation, c'était un bel amour. On faisait du scoutisme, on faisait plein de choses, on avait plein d'amis.
Non, ça faisait, c'était, on savait qu'il y avait le mariage, donc on attendait le mariage, quoi, puis ça s'arrêtait là. Vous pensez que le sexe, parfois, brouille un peu la relation? Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire, j'ai remarqué, je remarque souvent, hein, dans ma vie, parce que j'ai une vie professionnelle, j'ai remarqué souvent que les couples ne tenaient plus quand le sexe ne fonctionnait plus. Et c'est triste. Quand vous faites 20 ans, vous vivez 20 ou 30 ans avec quelqu'un, et parce que le sexe ne fonctionne plus, on abandonne et on va ailleurs, quoi. Et je voulais vous poser une question. Alors peut-être vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, mais c'est juste pour mieux comprendre un petit peu ce que vous nous dites et pour que les auditeurs aussi comprennent mieux. Vous pensiez que vous aviez une entente sexuelle plutôt harmonieuse avec votre mari? Oui. Oui. Oui, oui, parce qu'on vivait un très bel amour. Mais en même temps, ça a été le seul homme que vous aviez connu pendant toutes ces années. Et après, quand vous avez divorcé? Alors après, j'avais rencontré, après, on a divorcé malheureusement, hein, pour problèmes familiaux, bien sûr, toujours pareil. Et donc, après, j'avais rencontré quelqu'un où justement, c'était ce que je rêve aujourd'hui. Ça a été ami, après platonique, et malheureusement, après, il est décédé dans un accident de voiture, et ça a été un choc. Alors, oui. Oui, alors après, bon, j'ai essayé j'ai rencontré quelqu'un, et là, j'ai été écœurée, quoi. Je me suis dit, non, mais je suis écœurée. Écœurée pourquoi? Mais par le comportement, voilà, c'était... Parce qu'il a été un peu vite, un peu rapide. Oui, parce voilà, que... c'était intéressé, c'était... Quand vous dites intéressé, c'est qu'il en voulait, enfin, il voulait concentrer votre relation plutôt sur un plan sensuel, voilà. Enfin, oui. Mais c'est-à-dire que oui, je ne sais pas s'il y a un ordre des choses. Alors il peut y avoir dans votre éducation un ordre des choses, c'est-à-dire on se rend compte, on se séduit, on se plaît, on discute, on s'accompagne, on flirte, voilà. Moi, et puis à un moment donné, peut-être que les choses tout naturellement vont aller vers quelque chose de plus sensuel, de plus fort, de plus intime, enfin pas plus fort mais de plus intime. Et puis il y en a d'autres où effectivement on a l'impression qu'on commence un peu par la fin, c'est-à-dire que il y a des générations, des nouvelles générations, c'est souvent la séduction passe immédiatement par la chambre à coucher, c'est vrai, mais il n'empêche que pour autant, même si on commence parfois, on a l'impression de commencer par la fin, mais il n'empêche que on regarde le film un peu peut-être à l'envers, mais le film se voit aussi et se déroule aussi. Donc il n'y a pas de règles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de règles. Alors il est vrai que bon, j'essaye aussi de me comprendre. Je suis quelqu'un de très cérébral. Alors est-ce que ça vient de ça? Oui, je pense que vous êtes en maîtrise. Vous êtes en maîtrise totale de... Maîtrise. Maîtrise, bien sûr. Maîtrise. Vous avez envie de savoir qui vous avez en face de vous, vous avez envie de l'observer, vous avez envie d'avoir confiance. Ah, mais je le ressens tout de suite. Oui. Chez quelqu'un, et justement, jusqu'à présent, à part la personne qui est décédée dans l'accident de voiture, voilà. Alors je me suis dit, est-ce que c'est une exception et est-ce que ça existe encore? Voilà. Non, mais c'est très romanesque dans toutes nos lectures. L'amour romanesque commence vraiment par une cour, c'est ce qu'on appelle faire la cour, par une vraie séduction, par une bienveillance, par un respect, par une attente qui amplifie des fois, parfois le désir. Tout cela, vous avez un côté plutôt charmant et suranné, et c'est plutôt bien, Clarisse. Faut pas du tout vous, c'est faut pas vous en défendre. Je pense que ce que vous dites, alors vous appelez ça de l'amour platonique, je pense que c'est juste prendre son temps, c'est peut-être pas forcément de l'amour platonique, mais parce que l'amour platonique va pas rester probablement toujours platonique, parce qu'autrement c'est de l'amitié, amoureuse, c'est de l'amitié forte, mais dans l'amour ça peut s'accompagner. Couple. On peut former un couple, bien sûr, on n'est pas obligé toujours de se toucher, de s'embrasser, oui, je suis d'accord avec vous, mais après ça peut devenir naturel, il y a quelque chose qui peut devenir naturel. Et pas rapide, c'est ce qui... moi ça me tue tout, ça m'enlève tout oui ça vous braque un peu, voilà. ça vous braque un peu, j'ai bien compris, tout le goût, vous aimeriez donc qu'on vous prenne dites que le temps. Ça existe
encore. Alors écoutez, on a des messages. On a des messages. Alors d'abord, on a Flo qui nous dit: mon pépé tient toujours ma mémé par la main, des gestes tendres, beaucoup d'amour. Ils ont 100 ans et 97 ans, je les admire, ce sont mes modèles. On a un autre SMS qui nous dit: l'amitié platonique existe dans les livres. Pourquoi ne pas envisager une relation amoureuse juste en vous donnant le temps qu'il faut pour être en confiance et dans la bienveillance partagée, prenez le temps d'observation qui est nécessaire pour vous. Alors on nous dit Clarisse, il faut aussi parfois se lâcher un peu et puis se laisser un petit peu faire, voir un peu où ça va vous mener. Ça, c'est pas forcément tout de suite évidemment aller à la bagatelle, mais bon, voilà. Paul nous dit: notre amour a 40 ans de mariage, pour construire un couple il y a un ordre, ce qui n'est plus le cas. Les fondations sont importantes, sinon tout s'écroule. C'est ce que vous pensez? Et oui, tout à fait. Vous pensez qu'on on entre dans l'amour comme dans une maison qui est déjà construite, alors qu'en fait les fondations ne sont pas là encore. Voilà. Mais même à mon, alors je me dis, est-ce que c'est parce que je suis trop âgée, enfin 72 ans, ça n'existe plus à mon âge, quoi. Je me dis. Voilà, je me dis ça, peut-être, je ne sais pas, mais bon... Alors, parce que depuis... Alors, excusez-moi, mais je reviens sur quelque chose, sur ce que vous nous avez dit. Alors, vous avez divorcé, ensuite, vous avez rencontré quelqu'un, mais qui ne pensait qu'à la bagatelle. Voilà. 7 ans. Marié, ensuite, vous êtes resté 25 ans. Marié 25 ans. Voilà. Ensuite, vous avez rencontré quelqu'un qui ne pensait qu'à la bagatelle, et puis ensuite, un ami que vous aimiez beaucoup. Non, au contraire. C'est d'abord l'ami. L'ami. J'ai rencontré une personne donc qui était tout à fait le profil, quoi, c'était et qui s'est tué, donc on a vécu 5 ans. Donc il s'est rien passé avec lui autre que la il s'est rien passé avec lui autre que cette amitié très forte que vous aviez. On a eu quand même après, mais pas dans l'immédiat, au bout de 2 ans on avait des rapports, mais enfin on n'était pas polarisé là-dessus sans arrêt. Comme des fois je vois des gens, ça me glace, quoi. Alors après, bien sûr, la dernière personne, et après je me suis dit, bon, maintenant, il ne faut plus rêver, voilà. Et je suis seule depuis 10 ans, voilà. Alors bien sûr, je suis grand-mère, j'ai encore une activité qui me plaît, que je fais à temps qui me convienne. Voilà, la route continue. Mais alors bien sûr, sur ma route, je ne dis pas que de temps en temps j'ai des petites propositions sympas, mais c'est tout de suite, voilà, ça tourne tout de suite au... Vous pensez, enfin j'imagine vous êtes coquette, vous êtes séduisante, Clarisse. Ah oui, mais Clarisse, oui, je plais. Et puis on me dit que je ne fais pas mon âge, on me donne 10 ans de moins. Là, bon, ça me fait plaisir, mais ça s'arrête là après. Alors bien sûr, je vous dis, si je levais mon petit doigt, voilà, la personne serait tout de suite. Mais je ne veux pas, parce que bon, je comprends tout de suite que c'est le besoin aussi physique. Vous n'avez pas de besoin physique? Non, parce que l'amour, pour moi, c'est pas ça. Bien sûr, comme tout être humain, on a nos problèmes féminins, mais l'amour, c'est pas ça, quoi. Pour moi, c'est partager une vie avec quelqu'un. Vous pourriez dormir avec un homme sans qu'il se passe rien, simplement il vous prendrait dans les bras et ça pourrait vous suffire, Clarisse. Et après, et pourquoi pas par la suite, mais pas dans l'immédiat, quoi. Est-ce que ça existe? Bien sûr que ça existe, parce que le tout, Clarisse. Alors, je pense, Clarisse, que c'est le tout, c'est de le dire, l'exprimer, parce que si vos attentes, il faut toujours exprimer ses attentes. Si vous rencontrez quelqu'un demain, il vous suffit de lui dire, je ne peux pas envisager. Mais oui, mais ça m'est arrivé, ça. Ça m'est arrivé, mais ça n'a pas, la personne n'a pas donné suite. Donc j'ai compris que... Et ça vous déçoit? Ah non. Non. Oh non, je me dis, je me suis bien... Ah non, parce que je ne regrette pas de louper quelqu'un dans ce sens. Non, mais ça vous déçoit de cette attitude? Ben non, ça me... Oui, parce que je vois tellement de choses autour de moi, dans mon boulot, la société autour de moi, je me dis non, au contraire, je me protège quelque part pour moi, je me protège un petit peu aussi. Dans mon rêve, quoi, dans mon souhait, on va dire, pas mon rêve, parce que rêver et souhaiter, c'est différent aussi. Voilà, mon souhait, je me protège dans mon souhait, quoi.
Comme vous dites, peut-être. Voilà. Alors, c'est vrai que j'y crois. Je crois que ça existe, mais je voulais avoir une confirmation. Oui, alors ça existe. Alors, moi je pense que tout est encore une fois. Oui, mais tout est encore une fois, Clarisse. Oui. Franchement, tout existe. Le tout, c'est de l'exprimer. Oui. Et évidemment, c'est toute la complexité de l'être humain, c'est que nous ne sommes pas tous. Fait sur le même modèle, on n'a pas tous les mêmes désirs, on n'a pas tous le même fonctionnement. Oui, et vous pouvez, et je crois que vous êtes vous dans une certaine forme de pureté de la relation, pureté de l'amour, qui ne s'embarrasse pas tout de suite d'un besoin sexuel ou d'une satisfaction sexuelle. Ça peut, on l'a bien compris, c'est des choses naturelles qui peuvent se faire, mais ce n'est pas l'essentiel, ou en tout cas. Et voilà, parce que l'amour, pour moi, c'est bon, il y a. Comme vous dites, ce biais-là, mais il y a aussi la compréhension de l'autre, être à l'écoute, faire des choses ensemble, partager nos idées, même si on n'est pas très d'accord, c'est pas grave, mais avancer, et puis voilà, et puis la solitude. Mais je pense que vous pouvez parfaitement trouver. Mais oui, la personne idoine, votre alter ego. Non, mais vous pouvez parfaitement rencontrer l'alter ego. Et puis dans les relations que vous avez, dans les relations que vous entretenez, je pense qu'en affichant très vite ce que vous recherchez, ce que vous souhaitez, il n'y a pas de malaise. En tout cas, j'ai bien compris que vous vous demandiez si vous étiez utopique ou si c'était quelque chose d'invraisemblable. Ça ne l'est absolument pas, Clarisse. Donc vous pouvez parfaitement l'exprimer et puis faire le bon choix de la bonne personne. Et je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, on a un message pour vous également. Clarisse, j'ai 21 ans. Vous voyez, je me retrouve un peu dans votre vision de l'amour, où le sexe n'est pas un but absolu, loin de là. Et avec la plupart des gens de ma génération, j'ai l'impression d'être complètement anormal. Et vous écoutez me fait du bien. Pierrette nous dit aussi, je suis d'accord avec Clarisse. Paul nous dit il n'y a pas d'idéal en amour, amitié, Clarisse, exprimez vos attentes et c'est tout à fait faisable. Et enfin Muriel nous dit très drôle, Muriel, elle dit si j'étais un homme, je demanderais, c'est une chanson, si j'étais un homme, je demanderais votre main et nous ferions l'amour dans 15 ans. Voilà, Clarisse, merci pour votre appel. Merci de vous être confiée parce que vous pensiez que c'était quelque chose d'un petit peu insolite ce que vous nous livrez et finalement pas du tout, je pense pas. Je pense que je ne dois pas être la seule. Non, ben voilà, c'est ce que je vous dis. Vous êtes loin. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie, Clarisse. Vraiment pour tout ce que vous nous apportez tous les soirs. Toutes ces souffrances et personnes et tout. C'est très émouvant et merci mille fois encore. Je vous embrasse, Clarisse. Moi aussi, au revoir. À bientôt. Roland Pérez sur Europe 1. Et on va retrouver Claudia, on a quelques minutes encore, mais je voulais prendre l'appel de Claudia qui nous a joint en 3921 et qui voulait réagir au témoignage bouleversant tout à l'heure de Sylvaine. Bonjour Claudia. Oui, bonjour Roland, bonjour à tous. Donc c'était hier, voilà. Sylvaine est intervenue, une personne qui a perdu la vue il y a environ 25 ans. Qui était seule et qui... Voilà, alors moi je suis dans la même situation, je suis un peu plus jeune qu'elle, mais je suis dans la situation de Sylvaine, et je crois que c'était... elle mettait résistance à tout, enfin elle refusait un petit peu tout ce qu'on lui proposait. Elle refusait pas, mais elle disait que elle était un peu désemparée, elle n'avait pas encore les nouvelles techniques pour pouvoir communiquer, elle n'avait pas de chien guide d'aveugle. Voilà, oui, mais je pense que c'était justement pas ça qu'elle cherchait. C'était pas du tout, on lui a proposé, Janine lui a proposé de voir les cours de locomotion, un chien guide. Elle, ce qu'elle voulait, parce qu'elle avait quand même 4 associations, et elle sortait avec quelqu'un, elle était accompagnée de quelqu'un quand elle sortait. Ce qu'elle cherchait surtout, qu'elle ne trouvait pas, c'était de consolider
ou des relations au quotidien, voire ou peut-être des échanges, des appels, des sorties. Moi, je suis dans la même situation qu'elle, à la différence que j'ai quand même un compagnon, des enfants, et qu'elle, elle était toute seule. Alors, et vous n'êtes pas dans la même situation, non, finalement. Je suis je suis dans la même situation qu'elle, je ne vois pas, depuis beaucoup plus longtemps qu'elle, et c'est très compliqué parce que je suis dans une association, je suis bénévole dans une association deux fois par semaine, et il est vrai qu'en dehors de l'association, on a beaucoup de mal à construire des liens pour rencontrer des gens en dehors de l'association. Quand j'y suis, moi je fais mon travail, je communique, je suis acceptée, il n'y a pas de souci, c'est après. Alors moi je suis à Paris, j'ai beaucoup plus de chance qu'elle, hein. Il y a aussi des moyens de locomotion comme la PAM, je peux aller d'un endroit à un autre, mais je suis comme elle, je ne veux pas sortir, c'est pas ça qui m'intéresse, moi le moyen, bien sûr, si elle peut avoir des cours de locomotion pour rencontrer, bien sûr, mais c'est pas ce qu'elle souhaitait, aller chez son coiffeur ou chez le boucher, et elle avait quelqu'un pour ça. Donc je pense que c'était vraiment soit faire des randonnées, soit aller au restaurant, avoir certainement des une personnes. Vie sociale, ouais. Oui. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais en dehors de l'association, vous voyez, toute l'année, chez Caroline Dublanche, on entend des personnes qui sont valides et qui sont seules. Donc je me dis quand même, il y a beaucoup de personnes qui sont seules, qui seraient prêtes à rendre service et à lier avoir des liens plus importants avec des gens comme elle, comme moi, par exemple. Voilà. Et donc, c'est ça qui est très difficile dans nos sociétés. Je vous dis, tout le temps, toute l'année, on entend des gens seuls dans leur maison. Je ne sais pas quoi faire depuis que je suis à la retraite ou depuis ceci, depuis cela. Et c'est quand même vraiment fort de café de voir vous ça. Vous dites que ces gens qui sont finalement seuls, qui se plaignent de cette solitude, pourraient mettre au service. Ça peut faire des belles amitiés, ça peut faire des belles rencontres. C'est vrai, je veux dire, il faut savoir ouvrir sa porte, ouvrir son cœur et être un peu plus solidaire, un peu aller voir au niveau de la mairie. Et puis, vous savez, il y a aussi des... Alors, je veux dire à Sylvaine, moi, je peux bien donner mes coordonnées à Sylvaine, si elle veut me contacter. Non, on va les prendre, on va les lui donner, voyez, bien sûr. Par exemple, elle peut demander à une association, si une bénévole qui vienne chez elle. Il y a chez nous les auxiliaires des aveugles. Moi, j'ai eu des amis par ce biais-là, par les auxiliaires des aveugles qui viennent vous lire votre courrier ou je sais pas vous faire la lecture ou vous faire des courses et du coup ça peut non ce que je retiens voilà. ce que vous dites qui est intéressant Claudia, là vous avez parfaitement raison, c'est que effectivement tous ceux qui nous appellent souvent et qui sont seuls et qui sont valides, parce que il y en a qui sont seuls aussi parce que leur handicap les empêche souvent de se déplacer, mais pour ceux qui sont valides et qui sont seuls, c'est vrai que se mettre au service de quelqu'un qui aurait besoin d'une aide, d'une compagnie, d'une relation, d'un échange, d'un partage d'activités. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que ça permettait de rompre deux solitudes, ça rendrait également une aide évidemment bénéfique à celle ou celui qui n'a pas la chance, par exemple, là on parle des non-voyants, donc de voir. Et c'est vrai, vous avez parfaitement raison, Claudia. Moi je cherche quelqu'un pour aller me balader au parc, j'adore ça. Et c'est très difficile, hein. Alors vous dites que vous êtes vous êtes jeune, hein, vous avez 40 ans je crois, Claudia. Un peu plus, d'accord. C'est ce que je vois sur ma fiche, vous êtes mère au foyer, c'est-à-dire vous avez deux enfants, vous dites. Oui, mes enfants maintenant sont grands, sont partis, hein. Mais j'ai des enfants. Et votre mari? Oui, tout à fait. Et vous faites des choses avec lui, non? Vous sortez? Oui, aussi. Mais ça peut aussi, par exemple, s'il y a des choses que je voudrais faire avec d'autres personnes. Vous voyez, la vie n'est pas non plus centrée autour d'un enfant puis d'un compagnon. Je veux dire, on peut avoir aussi autre chose que cela. En plus, comme tout le monde, quoi. Enfin, j'espère quand même, comme tout le monde. Donc, moi, dans la semaine, je voudrais aller faire une balade au parc. Et c'est compliqué. Mon compagnon travaille. C'est très compliqué de votre d'aller... compagnon est voyant, lui. Oui. Et vous l'avez connu il y a longtemps? Oui, tout à fait. J'ai eu deux mariages. Un premier mariage, j'ai eu mes enfants et le second mariage. Comment vous l'avez rencontré, votre compagnon? Par l'intermédiaire de... Je sais même plus. ça n'a pas rebuté le fait que vous ne soyez pas voyante? Ah bah,
non, sinon il ne serait pas venu vers moi, je pense. Mon premier mari, le mari, le père de mes enfants non plus. Hein. Je veux dire simplement que si vous voulez un petit peu élargir votre champ d'action, vous allez. Il y avait Janine hier, elle disait oui, moi je vais au cinéma, j'ai un chien guide, je vais ceci, je vais cela. Moi je pense que c'était pas du tout. L'attente, la demande de Sylvaine. En plus, je vais vous dire, elle était peintre, Sylvaine. Donc pour elle, c'était très très important la vue. Réagit en fonction de comment on perd la vue parce que on a eu un accident ou parce que c'est à la suite d'une maladie. Il y a tout un travail, il y a tout un cheminement de la personne. On fait pas le deuil comme ça d'un sens qui disparaît. C'est pas vrai. Donc il y a tout un apprentissage, il y a une adaptation. Et puis, moi, je sais, je ne sors plus du tout toute seule maintenant. J'ai eu des accidents sur la voie publique et ça m'a bien sûr. Voilà, donc voilà, il faut prendre ça en compte. Hein, Claudia, on va donner vos coordonnées à Sylvaine. C'est très gentil, en tout cas. Moi, je pense bien à elle et puis à toutes les personnes qui n'auraient pas osé d'appeler, qui vont rester chez elle en disant... Et Sylvaine nous a appelé d'ailleurs, mais on ne peut malheureusement plus la prendre parce qu'il va être 1h du matin, il va falloir que je rende l'antenne pour les Jeux de Rio, mais... les Jeux Olympiques. Écoutez, en tout cas, on va donner vos coordonnées. Vous allez pouvoir dialoguer ensemble, probablement tout de suite d'ailleurs. D'accord ? Tout de suite. Voilà, on finira sur votre éclat de rire qui est communicatif, Claudia. On vous embrasse. Merci en tout cas de votre réaction. Merci de m'avoir Je vous retrouverai demain pour cette libre antenne et également, je vous retrouverai à 13h pour à votre service sur Europe 1. Bonsoir à tous, pardon, et belle nuit sur Europe 1.